Hey, bonsoir à vous, bienvenue pour cette soirée dans laquelle nous allons vous parler des 5 facteurs qui empêchent 80% des femmes de réaliser leurs aspirations professionnelles. Ce soir, donc, moi je suis Guillaume Andreu et je suis accompagné de ma partenaire Aurélie Dubois. Salut Aurélie. Salut Guillaume, salut à tous et à toutes qui êtes connectés ce soir. Bienvenue, nous sommes ravis. Alors bah, peut-être on peut simplement donner quelques petites indications avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc ce soir, je répète que nous allons vous donner des informations sur ces fameux facteurs qui font que parfois les personnes qui ont une forte énergie ou de forte polarité féminine ont tendance à tomber dans un certain nombre de pièges. Et donc on va ce soir vous éclairer, donc vous donner pas mal de contenu là-dessus. Et puis on va aussi vous faire part d'une superbe solution qu'on a envie de vous exposer ce soir, qui est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est assez exceptionnel. Et donc, on va dérouler tout ça en sachant que ce soir, on va vous poser évidemment quelques questions aussi. L'idée, c'est que ce soit interactif, il va y avoir du contenu, je vais vous donner des choses, mais on va aussi vous poser des questions pour savoir où vous en êtes. Et justement, on va peut-être démarrer assez rapidement sur cette notion de savoir un petit peu où vous en êtes pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Donc, je répète, ce soir, nous allons parler des 5 facteurs qui empêchent 80% des femmes de réaliser leurs aspirations professionnelles. Et qui, l'idée, c'est de vous permettre enfin de faire partie de celles qui y arrivent, c'est-à-dire qui arrivent à un moment donné à dépasser un certain nombre peut-être de sensations de limitation ou de difficultés pour enfin pouvoir aller vers une vie professionnelle qui soit plus agréable. Alors, je regardais hier soir, je regardais l'émission The Voice et je trouvais que. Enfin, je suis toujours ultra touché par les gens qui, à un moment donné, arrivent à sortir on va dire, d'un certain contexte, sortir d'un certain mode de fonctionnement dans lequel ils étaient, et puis arriver à oser faire des choses, oser aller sur scène, oser se présenter, puis parfois être apprécié, même des fois très apprécié. Et parfois, il y a même des personnes qui ont un certain âge et qui osent aussi faire ça et qui ont des bons résultats. Alors, bah, ce soir, ça va pas être The Voice, ça va être The Way. La voix, l'idée c'est de parler un petit peu de la voie que vous poursuivez dans votre vie. Donc on va avancer là-dessus. Et pour savoir si jamais vous êtes, on va dire, au bon endroit pour cette conférence, ben, simplement l'idée c'est de vous dire que si vous vivez actuellement sur un plan professionnel quelque chose qui ne vous convient plus, si vous vous dites ça, ben, ça ne me va plus aujourd'hui, sur un plan professionnel ou simplement sur un plan de vos activités, c'est-à-dire que vous avez l'impression que votre vie, la routine dans laquelle vous êtes, le mode de fonctionnement dans lequel vous êtes ne vous nourrit pas essentiellement, ne vous satisfait pas, ne vous remplit pas de quelque chose qui vous épanouit. Et donc, vous vous sentez peut-être qu'il est temps que ça change, vous sentez peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui pousse un peu. Et bien, dans ce cas-là, on va pouvoir vous aider à clarifier tout ça et vous aider à avancer sur cette voie-là. Donc, si vous avez des aspirations d'évolution qui sont encore non réalisées et que cela vous rend mal, et que vous sentez que d'une certaine façon, vous avez soit peur de ne pas y arriver, vous avez peut-être des idées, mais peur de ne pas y arriver, peur de le regretter si vous ne faites rien, c'est-à-dire vous dire là, je sens qu'il est temps que ma vie change, mais si je ne passe pas à l'action, s'il n'y a pas un truc, s'il n'y a pas un déclic, un switch, bah, je risque de le regretter plus tard. Et peut-être aussi que vous ressentez un manque de soutien, et dans ce cas-là, justement, cette soirée et ce dont on va vous parler va vous intéresser. Donc, dans cette conférence, on va voir vraiment plusieurs choses ce soir, et notamment ce qui peut vraiment gâcher vos désirs d'évolution, et du coup aussi comment vous allez pouvoir cultiver vos désirs. On va voir aussi également ce qui peut bloquer vos possibilités d'épanouissement, et du coup comment vous en libérer. Aussi ce qui peut freiner vos élans de changement, et comment vous remettre dans une bonne dynamique. On va voir aussi ce qui peut saboter également vos capacités et vos talents uniques, puisque je pars du principe qu'on en a tous, mais que voilà, on ne sait pas forcément tout le temps les exploiter à leur plein potentiel. Donc on va voir aussi comment mettre vos talents à profit, comme disait Guillaume justement avec The Voice, oser mettre nos talents à profit. Aussi, ce qui peut vous empêcher, sans le savoir, de faire décoller vos projets de cœur, parce que ça arrive par moments que voilà, on a des aspirations, on a des choses qu'on a envie de faire émerger, mais ça reste à l'intérieur de nous, on n'ose pas, on procrastine, bref, il y a des choses qui bloquent et on va voir comment faire pour débloquer tout ça, les déverrouiller et surtout déverrouiller nos limites intérieures.
Et puis aussi, comment changer les conditions et opérer les transformations pour changer la donne à votre avantage. Donc ça, c'est ce qu'on va vous proposer tout au long de la soirée pour justement arriver à déployer votre plein potentiel dans votre vie, en fait. C'est une opportunité pour vous de découvrir comment mieux vous comprendre et surtout mieux comprendre ce qui vous arrive et pourquoi vous êtes dans cette situation, de mieux vous connaître aussi pour mieux agir derrière et d'accéder à une solution qui peut tout changer pour vous. Donc, quand je suis moi en lien avec les personnes que je vois dans des situations comme ça de blocage, ça a tendance à me toucher parce que je trouve que c'est vraiment dommage de, je dirais, de voir ce gâchis parfois. C'est-à-dire que parfois, en fait, il y a des choses qui nous gâchent la vie. Alors, des fois, on se la gâche nous-mêmes, hein, parce qu'on a un certain nombre de comportements, d'attitudes. Donc, on se gâche la vie. Et parfois, c'est certaines choses qui nous gâchent la vie et on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de pouvoir dessus, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour que ça change. Et donc, moi, je vois dans mon métier, je vais parler un petit peu après de ce que je fais, qui sommes-nous? Aujourd'hui, mon activité est enseigner la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est une discipline de développement humain qui est très très complète, qui est de la communication du changement. J'utilise aussi et j'enseigne aussi l'hypnose, des techniques d'hypnose qui sont d'auto-hypnose qui sont faites, gérées pour la vie quotidienne, pour permettre des changements et faciliter le changement dans le quotidien. Je suis consultant aussi, je travaille pour je fais de la cohésion d'équipe, je travaille en coaching d'équipe, en coaching individuel. Je fais aussi des conférences sur les sujets qui me plaisent, qui sont évidemment le changement humain, l'évolution de la conscience, la transformation en fait de soi. Et j'utilise donc ces fameux outils, dont la pleine conscience également. On va dire que je suis ouvert à beaucoup, beaucoup d'informations et d'enseignements autour de l'humain, puisque ça fait une vingtaine d'années maintenant que je me suis lancé dans cette quête de mieux me connaître, de mieux me comprendre. Et puis après, je me suis rendu compte que quand moi je me connaissais mieux, je me comprenais mieux. J'avais cet élan, cette envie d'aider les autres, ce qui n'était pas le cas quand j'étais plus jeune, où j'étais plutôt réservé, timide, introverti. Et donc, j'ai fait un travail pour moi, pour me déployer, pour me révéler, pour me sentir mieux dans ma peau, pour avoir une vie qui me corresponde, qui corresponde surtout à des aspirations profondes. Et donc, de me retrouver, savoir qui je suis vraiment, ou qui j'ai envie de devenir, on va dire, et puis de pouvoir déployer ça. Et j'en ai fait mon métier, donc d'accompagner des personnes. Et ce que je m'aperçois, c'est que j'ai un certain nombre de personnes qui me contactent, dont beaucoup de femmes, qui sont avec cet élan intérieur, enfin en tout cas avec cette envie, ce désir de dire qu'elles peuvent s'émanciper, qu'elles peuvent se transformer, qu'elles peuvent aller de l'avant, qu'elles peuvent changer des choses. Et souvent, il y a des choses, il y a des... Enfin, je dirais c'est presque un peu triste de voir qu'il y a cette impression, des fois, cette perte d'espoir, quelque chose qui fait que la personne se dit, bon, j'aimerais bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu pas voué à l'échec, mais presque. Alors, il y en a quand même qui sont motivés et qui ont envie d'aller de l'avant, et donc c'est plaisant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que j'ai envie, puisque ça me renvoie aussi à moi d'une certaine façon, hein, ça me renvoie à mon vécu à moi, ça me renvoie aux difficultés que j'ai pu rencontrer, ça me renvoie à des choses que j'ai vues aussi dans mon entourage, par exemple, même avec ma mère qui faisait un métier dans lequel elle pensait s'épanouir, et puis finalement elle a changé pour différentes raisons. Et puis elle a fini par vivre quelque chose qui était beaucoup moins drôle pour elle. Et je l'ai vu pas mal en difficulté dans sa vie professionnelle. Donc il y a un certain nombre de choses dans mon vécu qui font qu'aujourd'hui, ça m'intéresse de vous aider, de vous accompagner dans votre ouverture de conscience, dans votre transformation. Puis il y a de toute façon quelque chose qui se passe sur un plan global. Les êtres, je dirais plus que la différence entre les hommes et les femmes, mais les êtres sont... en train de chercher à se déployer, chercher à s'harmoniser, chercher à se concilier, peut-être à se réconcilier aussi avec eux-mêmes, avec leur passé, avec le reste du monde. Et donc, c'est vraiment le moment opportun pour remettre de l'équilibre dans sa vie, on va dire. D'ailleurs, 2020, 20 sur 20, à l'école de la vie, avoir les bons résultats à l'école de la vie, et retrouver peut-être une forme d'équilibre et se dire, OK, à partir de maintenant, j'ai une vision nouvelle, je vais vers une réalisation nouvelle de moi, de qui je suis. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont en train de sentir ça. Et donc, on va creuser ce sujet. Mais avant, je vais laisser Aurélie se présenter. Oui, je te remercie, Guillaume.
Donc je suis Aurélie Dubois et moi depuis maintenant plus de 4 ans, j'ai développé une expertise dans la communication authentique et bienveillante. Donc ça fait maintenant 4-5 ans que je me suis formée à la CNV et que je pratique au quotidien au travers de mes relations. Et puis en tant qu'accompagnante relationnelle, puisque aujourd'hui j'aide les femmes à harmoniser leurs relations de couple, notamment justement grâce à la communication authentique et bienveillante. Et puis, en tant qu'accompagnante, je me suis formée aussi à la PNL et aussi à l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, parce que je me suis rendue compte aussi que la plupart des femmes que j'accompagne, au-delà de la communication dans le couple, parfois, il y avait besoin aussi de travailler des peurs, des blocages, notamment la peur de l'abandon, la peur du rejet. Je me suis aussi spécialisée dans le fait de pouvoir guérir les femmes, ou en tout cas aider les femmes à traverser ce processus qui est de l'ordre de la dépendance affective dans la relation. Donc voilà, j'utilise aussi ces outils-là pour aider les femmes que j'accompagne à pouvoir se libérer des fois d'émotions compliquées, de traumatismes, de peurs. Et donc aujourd'hui, voilà, je mets ça au service des femmes afin qu'elles puissent vraiment s'épanouir, qu'elles puissent déployer leur plein potentiel déjà pour elles-mêmes et que ça soit après au service de leur couple et de leur famille. Et puis en général, il y a ce côté aussi où ça va se répercuter sur le travail tout simplement, puisque la plupart du temps aussi, c'est des femmes entrepreneurs que j'accompagne. Donc en général, quand ça va pas dans la relation de couple, forcément, ça a une influence aussi sur la qualité de notre énergie qu'on va impulser dans notre activité. Et d'ailleurs, on va en parler aussi tout à l'heure avec Guillaume. Donc, j'aide les femmes à s'épanouir avec elles-mêmes, s'épanouir dans le couple pour qu'ensuite le couple soit aussi un super bel effet levier pour pouvoir s'épanouir dans l'activité professionnelle. Ok, Voilà pour super. ma présentation. Bon, on reviendra peut-être après sur des choses un petit peu de notre vécu, mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous et simplement vous présenter un petit peu ce schéma pour savoir, pour vous essayer un petit peu d'évaluer là où vous en êtes. En fait, on se rend compte dans la vie que, bah, évidemment, la vie est faite de changements permanents, il y a des cycles en permanence, la vie change, les saisons changent, le jour, la nuit, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc en fait, il y a des cycles permanents avec des choses qui émergent et des choses qui se font, puis des choses qui se défont et on est sans cesse en train d'évoluer comme ça et de progresser. Alors l'idée, c'est que dans cette roue, on va dire cette roue du changement, il y a quatre grandes étapes, on peut déterminer quatre grandes étapes. La première, il y a une qui sont selon deux axes. L'axe des comportements que vous avez, l'axe des attitudes, de ce que vous faites. Et l'axe de ces comportements, on va dire, c'est l'axe horizontal, c'est ce que l'on fait pour avoir, et parfois, pour avoir quelque chose, on doit faire certaines choses, ou on doit le faire, ou alors on se demande si on a la capacité de le faire, on se demande si c'est possible de le faire, mais en tout cas, il y a un certain nombre de comportements à avoir dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'œuvrer, tout simplement, ou peut-être d'agir. Et dans ces comportements, bah, parfois, il y a des comportements qui sont plutôt orientés sur de l'efficacité, qui sont efficaces, qui sont dans la proaction, c'est-à-dire qu'on met en place des choses pour avancer. On est plutôt axé sur de l'activité, sur de la persévération, sur de l'acquisition de nouvelles choses, de nouvelles compétences, etc. Donc, on agit dans le bon sens. Et parfois, on se retrouve dans des phases où on se sent plus dans l'inefficacité, on est plus orienté sur de la réaction par rapport à ce qui se passe, on est plus dans de la passivité, parfois on se sent freiné, on est plutôt dans des attentes. Et l'idée, ce n'est pas de simplement j'irais de juger ça comme étant quelque chose, ça c'est positif, ça c'est négatif, c'est juste deux pôles, deux polarités qui sont différentes et par lesquelles on passe tous à des moments. Et puis il y a l'axe des sentiments, donc l'axe des ressentis, l'axe de ce sentiment d'être soi ou pas, d'être bien dans sa peau ou pas, d'avoir des bonnes émotions ou pas. Et cet axe vertical, il nous relie à notre cœur, à ce qu'on ressent, puis peut-être aussi à des dimensions plus élevées, peut-être pour ceux qui ont des dimensions spirituelles qui sont importantes pour eux. Et donc l'idée de cet axe des sentiments, c'est qu'on va être plutôt dans la recherche de la satisfaction, la recherche d'une forme de bonheur. Donc, on va avoir des ambitions, on va
avoir des valeurs fortes qui vont nous pousser à agir, qui vont être motrices pour nous, on va chercher des solutions pour avancer. Donc, quand on est vers le haut de l'axe des sentiments, ça veut dire qu'on est plutôt dans une dynamique favorable, positive, un cercle vertueux. Puis parfois, ça se dégrade un peu et on est plutôt vers le bas, c'est-à-dire qu'on sent plutôt qu'on est dans de l'insatisfaction. Et c'est, ça aussi, c'est utile. Ça nous donne des informations. On ressent des frustrations, on ressent des manques, on ressent des problèmes. Alors, le truc, c'est que si je suis à la fois dans des comportements qui sont plutôt efficaces et plutôt dans de la satisfaction en termes de niveau d'être, c'est-à-dire que je sens que j'ai de la valeur, j'ai de l'estime de moi, ce que je fais, je suis assez fier de moi, ça se passe bien, etc., ben on va dire qu'on est dans une période plutôt d'été. Donc, on sent que notre vie, à ce moment-là, elle a du sens, que notre système de valeurs actuel est satisfait. Peut-être qu'on est en train, par exemple, de construire une famille, d'avoir des enfants, le couple. Et pendant un temps, on est parfaitement bien dans cette réalité-là, ça nous convient. Et puis, peut-être à un moment donné, les enfants commencent à grandir, commencent à partir, le couple n'a plus les mêmes objectifs, les mêmes perspectives. Et du coup, on cherche à prendre une place différente, on cherche à s'exprimer différemment, on cherche à exister différemment, par exemple. Donc là, on va sentir à ce moment-là qu'on n'est plus dans une phase de progression où on sent la reconnaissance, le développement. On est dans une phase où on commence à être rentré dans des processus, on sait d'habituation, on perd un peu d'intérêt, on sent qu'il y a des choses à laisser partir, des deuils à faire. Il y a une forme de perte de sens par rapport à ce qu'on vit. Ça peut se passer dans plein de domaines de votre vie professionnelle, dans les activités que vous avez, dans votre vie relationnelle, de couple, etc. Et là, on passe du coup, c'est-à-dire qu'on reste un peu focus sur le fait de faire toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de faire des choses, donc c'est devenu des automatismes, des mécanismes. Donc, on continue de faire des choses qu'on faisait. Du coup, on obtient toujours un peu plus ou moins les mêmes résultats dans notre vie. Mais il y a un phénomène d'habituation. Il y a quelque chose qui fait que c'est moins... On sent une perte de motivation. On sent que c'est un peu l'automne. C'est on rentre dans une phase où l'énergie redescend. C'est moins stimulant, moins enthousiasmant. Et donc, on commence à ressentir dans l'axe des sentiments, on commence à ressentir effectivement qu'on est plus dans la satisfaction, la frustration, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement quand on est là? Et peut-être, je vous pose la question, actuellement, est-ce que vous sentez que vous êtes dans la phase plutôt été, dans la phase du sens, tout va bien, tout se déroule, vous êtes en pleine progression, en pleine évolution et tout ça? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, vous arrivez à une forme de limite, vous êtes arrivé au bout d'une expérience et vous sentez que vous avez besoin de vivre et de faire d'autres expériences, que ce soit d'ailleurs des expériences concrètes ou aussi d'aller à un autre niveau de votre conscience, d'expérimenter autre chose de qui vous êtes aussi dans votre conscience. Et alors, est-ce que vous sentez plutôt dans ce moment de l'automne, il y a quelque chose qui est en train de s'en aller et vous ne savez pas encore exactement ce qui peut arriver derrière? Peut-être même que cette phase d'automne, elle peut vous faire pressentir une phase de « oulala, je crains d'arriver au bout de quelque chose qui n'aura plus rien ». C'est-à-dire que il n'y aura plus rien à la place. Et des fois, c'est ce qu'on craint. On craint, alors par exemple, j'imagine, on est dans une relation, tout va bien, la relation commence un peu à s'essouffler, on sent qu'il est important de commencer à passer à autre chose, on est un peu frustré, tout ça. On est dans la phase d'automne, il va falloir laisser peut-être partir l'autre, peut-être partir soi, peut-être laisser le lieu de vie dans lequel on était, enfin, ça peut être des choses comme ça, ou les collègues de travail, enfin bref. Et on commence à se dire, mince, je risque d'avoir un moment où il n'y aura rien. C'est-à-dire que je vais vraiment être frustré, je vais être dans le manque, je ne vais pas être bien, ma vie n'aura plus de sens. Donc ça, on risque d'être dans la phase de non-sens. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il y a beaucoup de gens qui cherchent très très vite à éviter cette phase et à vouloir tout de suite repartir sur une phase quand ils sentent que l'automne arrive. Je dirais, ils ont envie tout de suite de repartir au printemps. C'est-à-dire qu'il y a un côté, je suis tout de suite en quête de, il me faut du nouveau. Donc c'est la relation avec l'ancienne personne n'est pas terminée qu'on est déjà en train de se demander si on ne peut pas trouver une autre personne pour faire la transition ou pour remplacer l'ancienne. On est dans un ancien job qu'on n'a pas tout à fait terminé. On est déjà en train de regarder ailleurs si on peut trouver un truc. Et souvent, ce qui se passe quand on fait ce qu'on appelle des mini-transitions, c'est qu'on ne va pas suffisamment chercher, on ne va pas suffisamment opérer des transformations, je dirais faire un bilan de conscience suffisamment profond pour pouvoir sentir ce qui est vraiment bon pour soi, ce qui peut vraiment émerger de nouveau. Donc, pour le faire, ça, il y a besoin parfois de passer par cette phase d'hiver,
qui peut des fois être un peu difficile à traverser. Il y a des gens qui vont parler de nuit noire de l'âme, d'autres qui vont parler de peut-être un peu de période de déprime, de dépression, mais des fois, ça va pas aussi loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aussi loin dans le mal-être. Mais voilà. On peut se dire, là, tout de suite, il ne se passe pas grand-chose, il fait froid dans ma vie, j'ai envie de dire. Il fait froid, c'est un peu désertique, j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Le truc, c'est que souvent, cette phase-là, elle est très importante aussi parce qu'elle permet de pouvoir, comme pour l'hiver, pour les arbres, de pouvoir aller, on va dire, faire pousser les racines, on va pouvoir grandir en conscience, on va pouvoir. Ça, c'est plus une phase d'intériorisation. Donc là, on est plus sur une phase. Ce qui est en bas, c'est plutôt la dynamique féminine. C'est plutôt la dynamique yin où on va aller vers l'intériorisation pour arriver à se recentrer, à ressentir ce qu'on a besoin. Et puis, hop, quand ça s'est passé, ou quand on est resté longtemps là-dedans, il commence à y avoir l'envie, le désir et des choses qui se présentent et qu'on a envie de faire. Donc, on sent de nouveau de l'intérêt, on sent qu'on s'est régénéré, on sent qu'on est plus motivé et on est en quête de sens et on a envie de trouver quelque chose qui va nous correspondre. Donc voilà, là, l'idée, c'est. Dans quelle phase vous vous trouvez? Est-ce que vous avez l'impression que votre vie est pleine de sens actuellement, que tout va bien, que ça roule? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes arrivé sur un plan de vos activités essentiellement, sur une phase dans laquelle votre vie professionnelle, les activités que vous avez ne sont plus suffisamment satisfaisantes pour vous, vous sentez plus que ça vous tient à cœur, vous sentez plus que ça vous fait vibrer, vous sentez plus l'enthousiasme, etc. Est-ce que vous êtes plutôt dans une phase où vraiment là, ça ne va pas du tout, vous ne savez pas comment vous en sortir et vous avez l'impression que c'est l'hiver et qu'il risque de faire froid pendant longtemps dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes dans la phase où déjà vous avez des idées, vous sentez qu'il y a des aspirations qui sont présentes, il y a quelque chose qui pourrait donner du sens, mais peut-être vous manquez de certitude, vous manquez de clarté, vous manquez de conviction, manquer de force, d'énergie pour vraiment, vraiment vous lancer dans cette conquête, on va dire. Voilà, donc la question, je vous pose cette question, été, automne, hiver, printemps, vous pouvez peut-être répondre juste ce mot-là dans les commentaires. Aurélie, si jamais tu as des réponses, tu pourras me les donner. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Oui. ce cadran? Écoute, non, pour moi, ça me semble très clair ce que tu as partagé. Dans plusieurs phases, justement, que ce soit personnelle ou professionnelle, je vois bien à quel point j'ai pu traverser ces quatre cycles à certains moments de ma vie. Et du coup, c'est vrai que c'est super riche, je trouve, d'avoir ces quatre phases qui sont expliquées de manière claire et puis surtout visuelle pour qu'on puisse s'y Et retrouver. oui. Et c'est surtout important de se dire que tout change tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un changement permanent et que ce n'est pas parce que vous êtes dans une phase que ça y est, c'est la fin et qu'il ne se passera pas quelque chose de nouveau. Donc vraiment, l'idée, c'est de se mettre dans la bonne énergie, dans la bonne vibration, dans la bonne disposition pour que les choses, évidemment, elles changent. Et c'est ce qu'on va vous aider à faire aussi au travers de ce qu'on va vous donner comme information. Parce que des fois, on n'a pas les conditions, il y a certains facteurs qui sont limitants et du coup, on a l'impression de stagner dans un endroit et de pas forcément arriver à reprendre la bonne dynamique et le cercle vertueux, on va dire. Alors, c'est aussi important qu'on fasse le point sur ces deux notions que sont le yin, le yang, c'est-à-dire l'énergie ou la polarité qui est plus féminine et l'énergie ou la polarité qui est plus, on va dire, masculine. Quand je dis féminine et quand je dis masculine, je ne dis pas homme et femme. D'accord? Même si on peut parfois s'identifier évidemment à son genre, à son sexe. Mais le truc, c'est que en fait, le yin et le yang, l'énergie masculine et l'énergie féminine, nous composent tous. On est tous composés à peut-être 80%, 90% des mêmes choses, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. C'est les hormones qui vont, et notamment les œstrogènes, la testostérone et la progestérone, pour les femmes, donc les œstrogènes et la progestérone, et puis la testostérone, qui vont déterminer. Voilà, des caractéristiques et qui vont évidemment avoir une influence sur notre énergie, notre façon de voir le monde, notre façon de nous comporter. Alors l'énergie yang, c'est plus une énergie, a priori, qui est une énergie légère, d'information, dynamique, qui part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, donc quelque chose qui a tendance à rayonner, hein, le soleil par exemple, énergie yang.
C'est-à-dire qu'il y a un esprit peut-être de conquête qui va au contact, qui est plus hop, on y va. D'ailleurs, quand vous regardez des enfants, des garçons, des petits garçons, des petites filles, bah, il y a un petit peu cette différence. On pourrait dire que d'une façon générale, quand on regarde les enfants, bah, les petites filles, elles sont souvent plus posées, plus calmes, à faire des activités plus douces, plus délicates, etc. Puis les garçons, un peu plus moteurs, un peu plus punchy, aller à droite, à gauche, à vouloir faire plein d'expériences, quitte à se faire mal, c'est pas très grave, on rebondit, etc. Donc, ça, c'est la testostérone. La testostérone, ça donne une énergie de combativité. Et vous en avez aussi, les femmes, donc vous pouvez aussi être très combative. Mais effectivement, les hommes sont souvent plus pourvus de testostérone. Donc, l'idée, c'est que ça, c'est l'énergie. Donc, l'énergie yin, donc, a priori, c'est plutôt une énergie qui est plus froide, qui est dans la densification, qui est dans la matérialisation. Donc, qui construit, donc qui reçoit, c'est quelque chose qui reçoit de l'information et qui donne forme. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une réceptivité, il y a quelque chose, je reçois, et ensuite, j'engendre, je génère quelque chose à partir de ce que je reçois. On va dire qu'il y a des aspects en nous, il y a des forces en nous, qui sont parfois prédominantes chez les hommes, plus chez les hommes que chez les femmes, dans la majorité des cas, mais qui peuvent aussi être bah, parfois l'inverse. Hein. Des fois, il y a des hommes qui sont plus yin et avec une énergie, une polarité plus féminine, et des fois, c'est les hommes. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme l'énergie yang, c'est une énergie qui a tendance à facilement entreprendre, qui a tendance à facilement se sentir dans une force, dans une énergie d'y aller, d'action, d'essayer, puis on verra, de prendre des risques, si on se fait mal, c'est pas très grave. Enfin, d'être dans quelque chose qui est volontaire, conquérant, etc. L'énergie masculine, elle a tendance à être comme ça, et l'énergie féminine, elle a tendance à être dans la réceptivité, je fais ce qu'il faut pour plaire, je fais ce qu'il faut pour attirer, et je fais ce qu'il faut pour sentir que je conçois, je construis, je sécurise, je prends soin, etc., etc. Donc, ce sont deux types d'énergie, deux polarités, en fait, qui sont indissociables, inséparables l'une de l'autre. Elles naissent l'une de l'autre. Elles sont la force et la faiblesse. C'est-à-dire que voilà, s'il y a beaucoup de yang, bah, le yin va venir renforcer les faiblesses du yang. Et puis, s'il y a trop d'yin, bah, c'est le yang qui va venir renforcer. Donc, elles sont complémentaires, complémentaires. C'est-à-dire que nous sommes des individus. Et ça, c'est vraiment important que vous le compreniez. Même si vous êtes une femme, vous êtes un individu, donc indivisible. Et vous êtes... Donc, à l'intérieur de vous, vous avez des énergies complémentaires. Donc, avec le langage des oiseaux, je dirais complémentaires. C'est-à-dire vous êtes complète. Vous avez la possibilité de pouvoir activer en vous des forces, des énergies, et ce qu'il faut pour vous sentir complète et vous sentir à même de pouvoir faire ce que vous voulez. Et parfois, ben, on se sent en souffrance parce qu'on a l'impression, et je vais vous expliquer un peu un certain nombre de choses derrière, on se sent en souffrance parce qu'on a l'impression de ne pas être comme il faut, qu'il nous manque quelque chose. Que parce qu'on est un homme, eh ben, du coup, les choses, elles doivent être comme ça. Parce qu'on est une femme, du coup, les choses, elles doivent être comme ça. Et tout ça, ça nous limite. Donc, justement, ce sont 5 erreurs qu'on fait inconsciemment et qui empêchent, finalement, la plupart des personnes qui ont une forte polarité féminine de pouvoir se réaliser aussi facilement que des gens avec une forte énergie masculine, que ce soit homme ou femme, d'ailleurs, peuvent le faire. Pour que vous compreniez bien, il y a déjà, on va dire, un premier facteur qui est important et que, des fois, on a tendance à sous-estimer ou à ne pas prendre dans le bon sens. Et notamment pour vous les femmes, l'environnement, donc que ce soit l'environnement familial, que ce soit l'environnement professionnel, que ce soit l'environnement amical, peut devenir finalement bloquant, limitant, alors que vous souhaiteriez avoir une dynamique, pouvoir vous transformer, pouvoir changer, pour aller vers ce que vous voulez. Il est possible qu'il y ait des forces autour de vous qui finalement vous mettent un peu des bâtons dans l'air. Et que vous, dans votre façon de fonctionner, vous cherchiez à ne pas contrarier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans chaque domaine de notre vie, professionnelle, personnelle, sociale, on a toujours effectivement un certain nombre de contraintes. C'est les petits zigzags là que vous voyez en bas, et des fois c'est plus fort, c'est le zigzag, et donc les contraintes sont plus fortes dans un domaine que dans un autre de notre vie. Et des fois ça roule sur le plan perso, il n'y a pas trop de contraintes, ça c'est fluide, sur le plan affectif, le plan personnel, sur le plan social, ça va aussi, on a des amis, tout ça. Et puis hop, sur le plan pro, et peut-être que là, c'est plus là qu'il se passe quelque chose sur le plan pro, sur le plan des activités, vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait vous permettre de vous réaliser, vous aimeriez vous réaliser différemment, et en fait, ça bloque
parce que peut-être vous tombez dans un genre de piège qui est celui de la sécurité, qui est celui de la protection, qui est celui de la préservation de ce qui est déjà présent, qui est celui de vouloir, dans votre grande empathie de femme, de vouloir préserver une harmonie avec ce qui se passe autour de vous. Seulement, le changement, aller vers autre chose, ça demande de déstabiliser, ça demande de se déstabiliser soi-même, ça demande de prendre des risques, ça demande de se donner des autorisations, ça demande de se mettre en danger. Et les femmes, ce n'est pas forcément dans votre nature de vous mettre en danger, parce que justement, vous, le but, c'est de protéger. Donc, pour ne pas être dans une difficulté et dans un rapport avec votre environnement qui devient compliqué, pour ne pas le mettre, lui, en déstabilisation, c'est-à-dire monsieur a l'habitude à la maison de vous avoir régulièrement, que vous lui fassiez, par exemple, je donne des caricatures, mais que vous soyez là pour lui, que vous lui fassiez ses courses, que vous lui fassiez à manger, que les enfants ont besoin de vous pour ci, pour ça. C'est comme si finalement vous étiez indispensable et vous ne pouvez pas vous sortir et vous extraire de ça, parce que sinon vous auriez l'impression que tout se déséquilibre. Alors des fois, il y a une notion aussi de contrôle, c'est-à-dire vous êtes dans « j'ai besoin de préserver, de contrôler, de sentir ». C'est vraiment un instinct de protection que vous avez avec votre environnement. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les gens aussi vis-à-vis de vous ont tendance à vouloir vous protéger. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre un petit garçon et une petite fille, quand vous êtes enfant, on va plus facilement avoir envie de protéger une petite fille qu'un petit garçon. Si une petite fille, elle commence à s'engager dans un truc un peu risqué, on va plus être là pour lui dire ah, « attends, je vais t'aider, attention, etc. » Un petit garçon, on va des fois plus l'encourager à dire « allez, tu peux y arriver, etc. etc. » Donc, il peut y avoir parfois une éducation, un conditionnement sociétal, familial, qui fait qu'on vous protège. Alors, si vous avez l'idée de dire « ah tiens, demain, j'aimerais changer totalement ma vie professionnelle, ou j'aimerais faire un nouveau projet, ou j'aimerais passer à un autre niveau », ben, il est possible que de façon très réflexe, les gens autour de vous vous disent « ah mais attention, mais est-ce que tu vas y arriver ?» Est-ce que tu vas être à la hauteur, et puis est-ce que tu ne prends pas des risques, et puis qu'est-ce qui va se passer pour ta famille, et puis qu'est-ce qu'on va te dire, et que vous soyez perturbé par ce que vous disent les gens. Donc là, je marquais, sous-estimer l'influence limitante de l'environnement. C'est quelque chose qui est vécu dans beaucoup de familles. Moi, personnellement, alors après, sur le plan professionnel, j'ai eu la chance d'avoir quand même une famille, moi, soutenante. Mais c'est vrai que dans beaucoup de cas, quand on a un projet de cœur comme ça, une idée, être à jour, ou en tout cas de développer, ça arrive qu'en face de nous, on ait nos amis, nos proches, famille, compagnons, compagnes, etc., qui vont projeter leur peur sur nous en nous disant « mais est-ce que t'es sûr ? Est-ce que c'est pas dangereux ? Est-ce que ton projet est viable ? Non, mais est-ce que la conjoncture au niveau de la société est bonne ? C'est quand même risqué de quitter ton boulot sans avoir la certitude que ça va bien se passer dans l'autre. » Et tout ça, en fait, ça peut créer vraiment des peurs, du doute en nous, alors qu'on est déjà un peu fragile dans ce nouveau projet. Et puis, parfois, ça peut vraiment nous faire reculer et au final mettre de côté un projet qui nous tenait énormément. Voilà. Et donc, il y a un effet épigénétique de l'environnement. C'est ça qui est important de comprendre. C'est que les personnes, leurs attitudes, qu'elles soient, que ce soit des choses qu'elles vous disent, que ce soit des attitudes qu'elles ont même non verbales. Parfois, il y a des gens qui vous bloquent juste par un regard, un parent, quelqu'un que vous connaissez, la tête qui va faire, ça va vous refroidir dans un élan, par exemple. Bref, pourquoi ? Parce que l'environnement a un effet sur votre génétique et sur le comportement de vos cellules. Et donc, on va dire que vos gènes vont modifier leur façon de fonctionner, et ça va modifier votre façon d'être, votre façon de vous sentir, votre façon d'avoir envie d'agir. Ça va modifier la sécrétion de vos neurotransmetteurs dans votre cerveau, c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un effet dopamine, dopant, avec la dopamine, en réfléchissant ou en pensant toute seule dans votre coin à un moment donné à un projet qui pourrait vous satisfaire, à quelque chose, à une vision, une ambition qui vous intéresse, et vous allez hop juste croiser quelqu'un, lui en parler, en faire part de ce que vous avez, dire « ah tiens, en fait, je pensais tout à l'heure à ça et à ça », puis la personne, elle va directement vous dire dans sa réaction, dans son attitude « ah oui, bah, c'est bizarre ton truc, qu'est-ce que c'est ?» Ouais, qu'est-ce que c'est encore que cette lubie ? Ou alors, ouais, c'est un truc, tu risques de prendre des risques, tu vas peut-être perdre ce que tu as, enfin bref. Et là, pouf, cette stimulation extérieure va venir appuyer sur les leviers du stress, sur les gènes qui vont se transformer, qui vont plus aller faire sécréter de la cortisol et des hormones du stress que des hormones du plaisir et du bien-être. Et donc, comme d'une certaine façon, vous avez
une prédisposition à être dans la conservation et dans le fait que les choses elles puissent rester solides et se construire, et ben, le fait d'aller vers de la nouveauté, le fait d'aller vers du changement qui est une énergie plus qui va vers l'extérieur, qui est plus yang, bah, des fois ça manque un peu et du coup bah, l'environnement bah, vient appuyer là où ça fait déjà un peu mal et pouf, ça vous baisse dans votre, ça vous fait baisser un peu votre envie d'avancer. Donc très important de considérer, de prendre en considération que si vous voulez opérer un changement et que vous êtes dans un environnement et que tous les jours vous êtes entouré par des personnes, je dirais d'une certaine façon, qui réactivent les mêmes stimulations, les mêmes automatismes, les mêmes schémas chez vous, eh bien, en fait, vous ne pourrez difficilement imaginer faire autrement. C'est là que vous allez être pris dans des comportements, des habitudes, et ça, c'est le facteur numéro 2. Vous allez être pris dans des habitudes, dans des comportements, dans une façon de faire, parce que vous savez que cette personne, ou vous pensez, ou vous croyez qu'avec cette personne, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous croyez que votre mari attend ça de vous, vous croyez que vos enfants ont besoin de ça de vous, vous croyez, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, c'est même plus parfois la vérité, c'est votre vérité personnelle. Vous n'avez pas parfois demandé, vous n'avez pas parfois fait de propositions, vous n'avez pas parfois affirmé des choses que vous voulez, parce que vous vous dites, non mais de toute façon c'est peine perdue, ça ne sert à rien que je le dise, ça ne sert à rien que je l'exprime, ça ne sert à rien que je le demande, parce que je connais déjà la réponse, je sais comment ils vont réagir. D'ailleurs, dans les accompagnements que je fais avec mes clients, tu vois que quand on est dans cette phase où on n'a pas un environnement propice, je propose en général de manière douce de revoir justement quels sont les éléments qui sont porteurs dans l'environnement et quels sont les éléments qui ne le sont pas. Et ça peut être dans le travail, dans les relations et aussi même dans le lieu de vie. Et donc du coup, de voir comment il est possible, de, par rapport aux éléments qui ne sont pas porteurs, de voir comment ça peut se transformer en quelque chose de porteur justement, ou alors quand c'est aussi parfois des fréquentations, parce qu'on ne peut pas éliminer les gens, en tout cas de les voir par dose homéopathique. Mmh. Parce que si à un moment donné, il n'y a pas un tri qui se fait ou une réorganisation qui se fait, on va rester bloqué comme ça éternellement. Et puis parfois, il y a besoin de s'extraire, c'est-à-dire que... moi, je sais que pour me déployer, parce que j'ai une forte, à la base, j'ai bon, j'ai du yang, hein, c'est sûr, mais j'ai aussi pas mal de yin, c'est-à-dire que je fonctionne de façon, en général, assez équilibrée entre ces deux énergies, mais du coup, par rapport à beaucoup d'hommes, j'ai des fonctionnements qui sont parfois plus yin que certains, qui sont plus entreprenants, plus qui se posent moins de questions, qui attendent moins que ça vienne et qui ont plus envie d'impulser les choses. Et moi, je sais que le système un peu conservateur de ma famille, protecteur, ou alors qui avait tendance à m'orienter, à vouloir m'orienter, mais sur des choses que eux pensent être les bonnes, pas forcément celles qui me conviennent, mais il a fallu que je m'extraie, il a fallu que je parte, que je m'éloigne un peu, que je reste un peu discret sur ce que je fais, pour avoir mon évolution, pour pouvoir avoir vraiment une espèce de chrysalide, quelque chose qui me permet de m'isoler un peu de l'environnement extérieur. Je leur ai fait savoir petit à petit qu'à un moment donné, il fallait que je prenne, qu'il me laisse moi tranquille dans mon coin pour faire ce que j'avais à faire, parce que sinon c'était compliqué. Et donc ça ne veut pas dire qu'on les aime plus, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, qu'ils sont pas intéressants pour, qu'ils sont pas importants pour nous et que tout ça. Mais ça veut juste dire là tout de suite j'ai besoin de me trouver, j'ai besoin de. Vous savez, il y a aussi ça dans les tribus anciennes, les rituels de passage par exemple. Passer de la vie de jeune à la vie d'adulte, par exemple, ben, la personne part 3, 4 jours, 5 jours dans les bois ou je ne sais où pour se retrouver seule, pour faire le point. Et hop, elle revient, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui s'est transformé en elle et ça y est, elle est prête à passer un autre stade de sa vie. Et donc, l'idée, c'est qu'on aurait tendance aussi, le piège numéro 2, c'est un petit peu ça, le facteur numéro 2, c'est les comportements qu'on met en place, la façon qu'on a de s'affirmer, de s'exprimer vis-à-vis de l'environnement. Et bah, vous, les femmes, ce qui peut se passer dans votre façon de vous comporter, c'est que vous avez peut-être pris l'habitude, bah, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, parce que j'en connais qui ne sont pas comme ça, mais en tout cas, pris l'habitude de vouloir faire plaisir autour de vous, d'attendre qu'on vous demande quelque chose ou qu'on vous dise quelque chose ou que ce soit d'accord avec l'environnement pour faire les choses, peut-être de vous soumettre parfois à la vie ou à une forme d'autorité, peut-être des fois c'était le père, la mère, les grands frères, les grandes sœurs, enfin, peu importe, mais en tout cas à vous soumettre et à peut-être vous sentir aussi parfois victime d'un environnement bah, qui ne vous laisse pas la place que vous voulez.
En gros, qui vous dit reste à ta place et vous, vous restez à votre place sagement en vous disant c'est pas bien, je ne serai pas forcément quelqu'un de bien si jamais je fais si jamais je fais autrement, si jamais je m'affirme, si jamais je m'impose, si jamais je me rebelle. Voilà. Donc parfois il peut y avoir ces envies à l'intérieur de vous, mais comme il y a un désir d'harmonie, d'empathie, de quelque chose qui se passe bien avec l'environnement, vous avez peut-être parfois gardé ça à l'intérieur de vous. Donc, vous continuez de faire les mêmes choses en attendant ou en espérant qu'il y ait des résultats différents qui viennent de l'extérieur parfois. Et vous avez peur d'agir avec affirmation, de poser des choses et de dire maintenant ça va être comme ça. Les hommes peuvent avoir, avec une forte énergie yang, ou même les enfants, peu importe, les hommes, les enfants, les femmes, peuvent avoir tendance à fonctionner comme ça en disant maintenant c'est comme ça va être comme ça, c'est ça que je vais faire. Et vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça. Pouf, c'est parti. Et parfois, vous avez, quand la personne elle est dans une énergie à forte polarité féminine, elle a besoin de sentir ça, mais elle a besoin de sentir ça de l'extérieur, que ce soit quelqu'un qui vienne, qui lui dise, bon, hop, maintenant on va faire ça. Et là, l'énergie féminine peut s'exprimer, on va dire, d'une façon, de la bonne façon, en disant, OK, on va organiser, on va concevoir, on va faire attention, tout ce qu'il faut pour aller dans cette direction. Donc, elle va se mettre en œuvre aussi, d'une certaine façon. Mais des fois, il y a besoin de sentir qu'il y a l'impulsion qui vient d'ailleurs. Et du coup, ça peut donner des sentiments, ça peut donner des frustrations, ça peut donner des attentes, parce que parfois, il n'y a pas de demande qui est faite vis-à-vis des autres pour dire, bah, tiens, j'aimerais tel truc, je te demande telle chose, parce que bah, il y a comme le désir qu'il y ait une lecture de pensée qui soit faite, que vous soyez deviné, qu'on vous comprenne, qu'il n'y ait pas besoin de vous expliquer pour qu'on vous comprenne. Si jamais vous dites les choses, ça aura moins de valeur que si la personne elle est suffisamment attentionnée, puisque vous êtes attentionné, donc d'une certaine façon, vous attendez que l'autre soit attentionné, et comme si vous attendiez un peu des autorisations, plutôt qu'être dans le fait de vous autoriser et de vous affirmer au risque de déplaire. Parce qu'il y a aussi cette notion qui est très, on pourrait dire, dans l'animalité humaine, et des masculin, féminin, c'est que il y a le côté plaire, le côté je dois pouvoir être apprécié, je dois plaire à l'environnement si je veux pouvoir m'accoupler, avoir des gens qui m'entourent et puis procréer, etc. etc. C'est des programmes qui sont très instinctifs, mais il y a de ça. Et ça, par rapport à ce que tu dis, Guillaume, ça me parle aussi vraiment. Et je ne sais pas si ça vous parle aussi à vous qui nous écoutez ce soir, mais pendant vraiment mes des années et des années, il y a vraiment eu ce piège où j'étais dedans, justement, de vouloir faire plaisir et puis de faire passer les besoins des autres avant les miens. Mais au point où ça partait tellement loin que dans certaines relations, et ça pouvait être des relations amoureuses, mais même des fois, ça se joue au sein des familles, c'est de complètement s'oublier et vraiment de perdre sa lumière, d'avoir cette sensation de mourir à petit feu, et puis même des fois de plus savoir qui on est en termes d'identité, tellement on a voulu trop se soumettre justement pour faire plaisir aux autres et de dire, mais au final, qui suis-je au bout d'un moment? Donc c'est intéressant de prendre conscience de ça, parce que c'est dans ces moments-là, ensuite, on perd notre lumière et on n'est même plus en capacité ensuite d'offrir le meilleur de nous-mêmes aux personnes les plus proches et qu'on aime vraiment en fait. En fait, il y a quelque chose qui se refroidit, il y a quelque chose qui s'éteint, puisque le féminin, c'est la lune, hein. Donc, si elle n'est pas éclairée par le soleil, d'une certaine façon, s'il n'y a pas une énergie masculine qui anime, qui met le feu, j'ai envie de dire, du coup, les choses vont s'éteindre petit à petit, vont se refroidir, on va dire. Et du coup, ce n'est pas très agréable. Et il peut y avoir effectivement cette impression, enfin, cette façon d'avoir besoin de soutien. C'est-à-dire vraiment de dire, OK, là, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin qu'on me dise, j'ai besoin qu'on me dise que c'est bon ce que je vais faire, j'ai besoin qu'on me rassure sur le fait que c'est bon, que ça va déranger personne, que c'est bien, etc., etc. Il y a besoin d'être de soutien, besoin d'être soutenu. Pourquoi? Parce que, il y a ce troisième facteur qui est très important, c'est le facteur des capacités et des sentiments, c'est-à-dire des états intérieurs dans lesquels vous vous trouvez, qui sont, on va dire, les capacités intellectuelles, c'est-à-dire les connaissances, les compétences que vous avez développées, etc. D'ailleurs, on va dire, quand on fait un bilan de compétences, on est plus sur l'idée de travailler sur ce niveau de capacité, quelle capacité vous avez, qu'est-ce que vous savez faire, etc. Quelle information vous connaissez,
qu'est-ce que vous pouvez en faire. Et puis aussi, les capacités émotionnelles, c'est-à-dire dans quel état je suis, on va dire l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment je suis capable de gérer mon affectivité, mes ressentis, mes sentiments à l'égard de ce qui se passe. Et c'est de là, je dirais que la confiance, elle se situe ici. Quand je ressens de la confiance, c'est que je sens que je suis en capacité, je sens que j'ai une énergie qui me permet de faire les choses, je sens que j'ai des états internes positifs, peut-être la force, peut-être la conviction, peut-être la détermination, peut-être un certain nombre de choses qui sont présentes. Et parfois, eh ben ça, c'est fluctuant, c'est pas vraiment là. Et ça nous empêche de pouvoir nous sentir bien pour faire les choses et pour avancer. Donc le piège, c'est le fait, pour les personnes qui sont dans une énergie plutôt de polarité féminine, ben c'est d'être dans une dynamique de sympathie. Donc la sympathie, c'est vraiment le côté, vous savez, les adolescentes qui se parlent entre elles de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles font, de leurs problèmes, et puis l'autre qui est à côté, et puis qui est vraiment en phase et qui dit ah oui je comprends, ben oui, ah c'est génial, et on a une qui dit ah c'est génial, je vais à un concert, puis l'autre a fait ah c'est génial. C'est vraiment le côté on partage quelque chose, on est dans la sympathie. Et parfois ça manque un petit peu de vous faites plus difficilement la différence avec l'empathie, c'est-à-dire le fait d'arriver à comprendre que les autres autour fonctionnent différemment ou fonctionnent comme vous, ou peuvent avoir des sentiments, etc., mais sans forcément vous sentir impliqué dans le problème. Vous vous sentez concerné, mais pas impliqué. C'est-à-dire que ça ne vous touche pas personnellement. C'est l'autre qui est là-dedans. Je peux le comprendre. C'est ça l'empathie, en fait. Hein. L'empathie, c'est vraiment, je peux comprendre qu'il est dans ce sentiment, mais moi, je ne suis pas touché. Donc moi, je peux garder ma façon de fonctionner. Je peux mettre en place mes comportements. Par exemple, je peux dire, tiens, j'ai envie de faire ce projet, et avoir peut-être quelqu'un qui réagit à côté et qui dit « Ah bon, mais si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je vais me retrouver seul. Puis pendant ce temps-là, c'est pas ce qu'on s'était dit. » Enfin bref, bon, des difficultés. Vous pouvez très bien comprendre, être empathique avec cette personne, dire « Ok, oui, bah oui, j'entends, oui, c'est sûr que tu risques de te sentir déstabilisé, tout ça, et ça, je le conçois. » On peut peut-être essayer de trouver d'ailleurs des choses pour que tu le vives mieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais faire ce que je vais faire. C'est-à-dire, pouf, garder une détermination. Quand on est trop dans la sympathie, on ressent la tristesse de l'autre, on ressent le désarroi, on ressent le côté victime de l'autre. Et du coup, ça nous touche et on a tendance à se plomber avec l'autre, en fait, d'une certaine façon. Donc, on rentre un petit peu dans les trucs de sentimentalisme, d'hypersensibilité. Du coup, on est plus dans de la fragilité, on doute, etc. Donc, ne pas croire au potentiel. Ne pas croire au potentiel que vous avez, ne pas croire au fait que vous pouvez aussi avoir une énergie plus présente, plus forte, plus dense, plus affirmée, et douter du coup de vos capacités, craindre de déplaire aux autres, intérioriser les choses et vous dire « Ok, ça ne va pas, etc. » Alors bon, après, ça vous arrive de les exprimer aussi, hein, peut-être dans des relations avec des amis, avec des copines, avec des gens, mais parfois, ça reste quand même intériorisé, vous ne dites pas toujours les choses telles qu'elles se présentent à vous, pour faire attention, pour arrondir les angles, rester fermé. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver à rester fermé sur vous-même, réserve, et avoir besoin d'énergie. Et avoir l'impression que ce besoin d'énergie, il doit venir d'ailleurs. Alors qu'en réalité, il y a tout ce potentiel d'énergie, tout ce potentiel de capacité, toute cette force, toute cette puissance, en fait, elle est à l'intérieur de vous. Mais comme vous avez peut-être une tendance à utiliser plus une façon de fonctionner qu'une autre, eh ben, du coup, ben, vous vous retrouvez un peu victime de ça, vous vous retrouvez un peu dans ce piège-là. Alors, on a un autre niveau qui est plus profond, qui est en amont de nos sentiments, de nos capacités, des capacités qu'on se sent avoir ou pas, des sentiments qu'on a, des capacités, je dis, en termes de ressenti ou en termes de capacité intellectuelle. C'est le niveau des croyances, c'est le niveau des valeurs. Et donc ça, c'est vraiment important, même, je dirais, presque le niveau aussi de l'identité, c'est-à-dire qui je pense être, qui je crois être, qu'est-ce que je pense que je suis censé faire, quelles sont les choses importantes, est-ce que je reconnais en moi les besoins et les valeurs, c'est-à-dire les choses qui ont vraiment de l'importance pour moi. Est-ce que j'ai la croyance que ce qui est important pour moi, il est possible que je le réalise? Est-ce que je crois que j'en ai les capacités? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis digne de ça? Est-ce que je suis légitime pour ça? Donc, on va voir qu'il y a des croyances qui sont plutôt limitantes, donc et qui nous protège aussi, c'est certainement quelque chose. Et puis, il y a des croyances qui sont plus dans le fait d'autoriser les choses, dans le fait de nous aider. On peut aussi avoir des croyances qui nous disent « Mais oui, tu peux le faire. Mais oui, tu peux. Tu as déjà vécu ça. Tu as déjà eu confiance en toi. Tu peux de nouveau avoir confiance en toi. Tu as déjà fait des choses nouvelles. Tu peux faire des choses nouvelles. »
tu as déjà pris des décisions comme ça, impromptues, fait des virages à 80 degrés dans ta vie, et puis ça s'est bien passé finalement. On peut avoir plein de croyances positives. Le truc, c'est que parfois, justement, on a un niveau, on a un système de croyances qui nous réduit. C'est-à-dire, les croyances, c'est ce qui, on peut dire, ce sont des raisonnements erronés que vous avez sur vous et sur votre vie, sur vos possibilités et sur ce qui peut se passer dans votre vie, sur ce que les autres sont, sur ce qu'ils peuvent faire. Il y a des filtres, il y a des distorsions. Tout ça, ça limite votre vision du monde, ça limite votre vision de vous-même, ça limite votre vision de ce que vous pouvez faire. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a le système de valeurs, enfin c'est intéressant, le système de valeurs, il est intéressant parce qu'il peut permettre, quand on sait vraiment le travailler, quand on va vraiment l'affirmer, l'affiner, quand on va l'activer, quand on va le réaligner, le remettre vraiment en soi et profiter de sa puissance, profiter de ce que ça nous apporte en termes de motivation, en termes d'orientation, etc. On peut vraiment changer des choses et on peut même dépasser, ça nous donne l'énergie nécessaire pour dépasser des croyances et se dire non mais là je croyais que ce n'était pas possible, mais si je sens là au fond de moi, c'est suffisamment fort pour que je puisse le faire. Je vous donne un exemple. Vous n'imaginez pas par exemple pouvoir pousser un poids de 50 kg par exemple sur le sol, ou 100 kg on va dire, et si on vous dit est-ce que tu peux pousser ce poids, ben, vous allez vous dire ben non je ne peux pas le pousser, oh, je n'ai pas la force de faire ça, je n'ai jamais fait ça. Vous croyez que vous ne l'avez jamais fait, vous croyez que vous ne pouvez pas le faire. Par contre, si on vous dit que vous avez votre enfant qui est bloqué sous ce poids de 100 kg, alors là, la valeur enfant et la valeur maternelle et la valeur instinct de survie, instinct de protection est tellement fort pour vous, d'une certaine façon, que vous pouvez vous dire « Non, mais là, je ne me pose même pas la question de savoir si je peux le faire ou pas. » Vous avez une énergie qui monte en vous, une force qui peut parfois être incroyable, et vous allez pousser cette chose-là, vous allez le déplacer, parce que vous allez avoir à l'intérieur de vous quelque chose qui va s'activer, qui va vous donner de l'adrénaline, qui va vous donner de la puissance. Alors après, ça ne veut pas dire que ça va continuer éternellement, mais sur le moment, ça peut vous donner un coup de boost et ça peut vous permettre d'aller de l'avant, ça peut vous permettre de faire quelque chose que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment, ça vient du système de valeurs, ça vient du système de motivation, qui va avoir un impact, qui va pouvoir dépasser les croyances, aider à dépasser les croyances limitantes. Et donc, si vous êtes dans une, si vous vous dites, comme je suis une femme, c'est un peu le piège, comme je suis une femme, je suis censé être quelqu'un qui est dans la bienveillance, je suis censé être quelqu'un de bien, je suis censé quelqu'un qui reste à sa place, qui prend sa place, parce que c'est la société qui veut ça, parce que c'est l'éducation qui veut ça, parce qu'on se conforme à quelque chose. Alors même si en vous, vous avez des dualités, c'est-à-dire vous avez une partie qui se dit ben, faut que je sois bienveillant, que je sois à ma place, que je fasse les choses bien, que je serve, que je sois au service des gens autour de moi. Et peut-être qu'il y en a une autre qui se dit oui, mais enfin bon, ça va bien, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de m'éclater dans ma vie. Et puis il peut y avoir justement des conflits de valeurs à l'intérieur qui disent oui, mais c'est bien tout ça, mais si tu vas vers le fait de t'éclater, de t'accomplir, tu vas plus être dans le fait de conserver, de préserver, d'être dans la bienveillance. Et ça peut créer à l'intérieur de vous des dualités. Donc, les valeurs ou les croyances, par exemple, qu'il faut être une bonne fille, une bonne mère, une bonne femme, etc., rester à sa place, une bonne assistante dans un travail, une bonne collègue, une bonne partenaire, tout ça, ça peut, d'une certaine façon, faire que vous vous conformez à certaines règles et que vous ne vous autorisez pas à... enfreindre un petit peu ça, à ouvrir le champ sur d'autres possibilités. Vous craignez d'une certaine façon que votre conscience, d'avoir mauvaise conscience de le faire, peut-être de vous dire « je suis égoïste », etc., etc. Les hommes se posent un peu moins cette question. Pourquoi ? Parce que c'est d'une certaine façon dans la culture, le fait de prendre des risques, le fait d'être peut-être égoïste, le fait d'avoir l'esprit focus, déterminé sur quelque chose et puis de ne pas écouter forcément les autres. Je dirais d'être dans une posture de dominant, dans une posture de leader. C'est très testostérone, tout ça. Donc, c'est plus dans les codes masculins que dans les codes féminins. Donc, parfois, si vous avez besoin de cette énergie-là, de cette dope-là, de ce truc qui vous motive, parfois, vous allez en manquer si vous êtes trop sur un mode de fonctionnement féminin. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ça à l'intérieur de vous et qu'on ne peut pas aller travailler sur tout ce qui va vous permettre de l'activer. Et c'est justement ça qui est important, c'est de savoir que ça change, ça peut changer. Vous pouvez changer des choses en vous, vous pouvez changer des mécanismes inconscients, vous pouvez changer des habitudes qui ont été prises,
des systèmes qui sont pour vous maintenant erronés, qui ne vous conviennent plus, on peut aller les transformer là-dedans avec certains exercices, avec certaines pratiques. Et on va voir qu'il y a un cinquième niveau de facteur, un cinquième facteur qui aussi a son importance et qui vient, je dirais, chapeauter un petit peu tout ça. C'est tout ce qui concerne la dynamique du sens, la dynamique de l'appartenance, la dynamique de la spiritualité. Et effectivement, il y a aussi dans les spiritualités, dans les religions, quelque chose qui confine les personnes, et notamment les femmes, à des rôles, à une certaine raison d'être. Donc, on revient un peu toujours au même système, mais du coup, comme c'est quelque chose qui est un peu une croyance qui parfois est partagée par beaucoup au niveau des religions, au niveau de la spiritualité, tout ça, qui fait que, d'une certaine façon, le piège, c'est je suis le féminin, je suis une femme, donc je suis le féminin, donc je suis censée être nourricière, je suis censée être maternante, je suis censée, je dirais, être m'accorder avec les règles sociétales, spirituelles, dans mon rôle de femme, de rester au foyer, de protéger, de servir quelqu'un, d'être plutôt l'assistante d'eux que celle qui se fait assister et celle qui va de l'avant et celle qui a des visions et qui impulse des choses. Et que ce soit, d'ailleurs, quand je dis celle qui va de l'avant, ce n'est pas l'idée là, de prendre le rôle d'un homme, hein, parce qu'on n'est pas là pour dire que vous... que votre désir, vos aspirations sont le fait d'être à la place d'un homme entrepreneur, etc. Ça peut être très bien de vous faire plus confiance pour, on va dire, exploiter, révéler vos talents artistiques, votre créativité, votre sensibilité, peut-être de faire des activités qui vous permettent de gagner de l'argent avec ça. Peut-être d'œuvrer dans des choses qui vous feraient du bien, mais vous ne vous autorisez pas parce que voilà, ça vous fait sortir un peu de chez vous et que qu'est-ce que vous allez manquer à votre foyer, vous allez manquer aux gens qui vous entourent. Donc, si vous mettez trop de temps dans des œuvres caritatives ou dans des activités qui sont pour vous épanouir, ben les autres vont manquer. Enfin, ouais. Et là, sur un plan spirituel, il y a peut-être un genre de mauvaise conscience où, comme ça, vous dites c'est pas forcément bien de faire ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous relier à vous, à votre soi supérieur, de sortir des systèmes de croyances et des systèmes du sens qui est donné, même si ça a du sens. C'est-à-dire que oui, le féminin et oui, le masculin ont des dynamiques, ont des qualités différentes et qu'elles sont censées fonctionner ensemble et que bah, parfois, certaines personnes à forte dynamique féminine sont plus faites pour faire des choses de façon fluide, certaines choses, et les hommes ou des gens avec une dynamique masculine sont plus faits pour faire d'autres. Donc, on est bien d'accord sur le fait que tout ça, ça peut se concorder et ça peut fonctionner ensemble. Mais ce n'est pas forcément vrai pour tout le temps, pour tout le monde. Et si vous vous sentez, si vous avez un appétit, si vous avez un goût, si vous avez quelque chose en vous qui vous dit « je peux, j'ai l'impression que je peux faire l'expérience », de sortir de ce cadre, de sortir de cette case, l'idée, c'est de pouvoir effectivement vous relier à vous, aller sentir si c'est juste. Et c'est souvent ça qui manque. C'est que la spiritualité, elle est extériorisée. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait des gens, des curés, des guides spirituels, des gens qui écrivent des livres, des gens sur Internet, des coachs, ce que vous voulez, qui disent comment faut être. Et parfois, ben cette information que ces gens transmettent, avec un côté très yang, c'est-à-dire ils transmettent une information vers l'extérieur, ben, la dynamique féminine fait que, hop, il y a une réception qui se fait, et puis il y a une intégration qui doit se faire. Et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment intériorisé, suffisamment clarifié à l'intérieur, suffisamment évident pour vous, et qui fait que vous vous dites « Ok, j'entends tous ces principes, j'entends la spiritualité, j'entends la vie des autres, j'entends comment la société voudrait que ça fonctionne, j'entends comment ma famille voudrait que ça fonctionne. » Mais d'une certaine façon, moi, ce que je sens, c'est que si j'ai envie de me réaliser sur cette planète, si j'ai envie de vrai pour quelque chose, si j'ai envie de pouvoir donner, donc faire donner ce que j'ai à donner, c'est-à-dire les qualités humaines que j'ai, les savoir-faire que j'ai, les compétences, les passions, etc., etc. Si je veux pouvoir donner à cette planète pour qu'elle s'arrange, ben, à un moment donné, il faut peut-être que je sorte de ces carcans-là, de ces limitations-là. Donc voilà les cinq facteurs. Hein. Le premier facteur, c'est l'environnement. Le deuxième facteur, c'est les habitudes et les attitudes comportementales. Le troisième facteur, c'est
la gestion de vos capacités, la croyance que vous avez à l'égard de vos capacités. Quatrième facteur, c'est bah, justement le fameux à quoi vous vous identifiez, qui vous croyez que vous êtes, quel système de valeurs vous avez et qui vous les avez envie de devenir, et est-ce que vos croyances ont tendance à vous limiter là-dedans. Et cinquième facteur, c'est à quoi vous voulez contribuer, à quoi vous avez l'impression d'appartenir et qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau, qu'est-ce que vous pouvez générer de nouveau en vous et dans votre vie pour aller plus vers quelque chose qui vous correspond. Et au lieu de répondre aux attentes des autres, aux ambitions des autres, que les autres ont sur vous, ben c'est plutôt de dire, moi je me mets en phase avec mes propres aspirations et je dis oui à mes propres aspirations et je mets en place quelque chose qui correspond et je m'affirme dans ce sens-là. Et en plus, là, dans ce que tu dis, Guillaume, pour moi, c'est vraiment important de se dire qu'à partir du moment où on ose aller vers ça, c'est aussi un cadeau qu'on fait à nos proches, en fait. Parce que, justement, ce côté, à un moment donné, où on perd en lumière, on perd notre identité, au final, on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes aux autres. Et j'ai beaucoup de clientes aussi qui sont mamans, qui ont des enfants et qui viennent vers moi aussi avec cette idée de dire que des fois, au-delà de vouloir se transformer elles-mêmes, c'est de se dire, bah, pour être une source d'inspiration ou pouvoir donner un bel exemple à mes enfants, j'ai envie de pouvoir changer, j'ai envie de pouvoir me transformer pour éviter de refiler aux êtres que j'aime le plus au monde, bah, de leur refiler des croyances limitantes, des blocages, des peurs. Donc, pour moi, au final, tendre vers ça, c'est, pardon, c'est vraiment être au service aussi. Exactement. Au mieux pour sa famille. Alors moi, il a fallu que je brave le fonctionnement de ma mère qui était très conservatrice, très, très nourricière, très protectrice et qui avait tendance même à être un peu, comment on pourrait dire, à s'empêcher elle-même pour ces raisons-là, mais aussi à du coup vouloir nous contrôler d'une certaine façon, pas à mauvais escient, hein, mais pour nous faire plaisir, pour nous protéger, pour faire attention. Et moi, il a fallu que... avec ma sensibilité, quand j'étais plus jeune, j'étais relativement sensible et j'étais plutôt justement dans ces dynamiques féminines, hein, de sympathie, de bienveillance, de vouloir faire plaisir à maman, tous ces trucs-là. Mais j'avais aussi quand même cette dynamique masculine, heureusement, qui m'a poussé à braver les interdits, à prendre des risques, à me prouver à moi-même que je pouvais faire des choses, même si l'autre se dit à côté comme ça, oh, je flippe. Qui claque des dents parce qu'il se dit qu'est-ce qui va se passer. Moi, ce n'était pas grave. J'avais cette énergie. Ce qui fait d'ailleurs que je suis parti sur cette voie de développement et de sortir des milieux professionnels dans lesquels j'étais avant, la vente, tous ces milieux-là, et que je suis venu vers l'accompagnement humain et le développement humain, alors que ça me paraissait improbable, ça me paraissait impossible et que j'ai plein de gens qui me disaient « Non, mais tu pars en vrille avec ton histoire. » Retrouve-toi un job, voilà, rentre dans le cadre et arrête de nous faire des sorties de route parce que tu as tendance un peu à partir, tu te cherches beaucoup et tu, du coup tu ne construis pas grand-chose. Et ben ouais, mais je me sentais. Et d'où l'importance aussi de cultiver un environnement qui va être soutenant pour ce genre de démarche, parce que moi je me rends compte que à quel point ça a été mais vraiment un facteur ultra important dans mon développement en tant que femme et en tant qu'entrepreneuse aussi, parce que s'entourer de personnes qui croient en nous, qui croient en notre projet, ou alors des personnes qui, elles aussi, ont envie de croire en elles-mêmes et en leur projet, ça entraîne une dynamique incroyable. Et c'est marrant de voir aussi que, naturellement, quand on ose aller de l'avant, quelque part, les choses se mettent en place aussi pour rencontrer les bonnes personnes. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, mais des fois, pour s'aider, ouais. il y a besoin de pouvoir s'extraire d'un environnement qui, par son énergie, par les facteurs émotionnels que ça comprend, par les habitudes de fonctionnement qu'on a l'habitude d'avoir dans ce truc-là, etc., bah, parfois, ça demande d'arriver à s'affranchir un peu de ça, de prendre du recul. Pour ça, d'ailleurs, parfois, que bah, effectivement, les vacances, les moments de vacances, les moments de retraite, les moments de week-end sont des moments où, comme si notre conscience avait la possibilité de pouvoir fonctionner différemment et de nous montrer, de nous s'ouvrir à d'autres choses. Mais bon, voilà, si on est en week-end avec ses enfants, avec sa famille, très vite, en fait, les 3 heures sur la plage à se permettre de rêver, on rentre à la tente, il faut faire à manger, les enfants demandent des choses, le ci, le ça, le bidule, enfin bref.
il peut tout de suite y avoir des conditions qui font que ben, finalement, on se rend compte que on n'arrive pas à aller au bout de quelque chose, on n'arrive pas à sentir que pouf, ça y est, la décision est prise, c'est parti, on y va, on passe à l'action sur de nouvelles choses. Et puis, ça se retarde, ça se retarde, ça se retarde, ça se repousse. Et puis, des fois, des fois, c'est les semaines qui passent, des fois, c'est les mois, des fois, c'est les années qui passent. Même parfois, pour certaines personnes, c'est des dizaines d'années qui passent. Donc, c'est là que c'est ça qui est, je trouve, dommage et qui me touche. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce métier. C'est parce que ça me touchait de voir autour de moi des gens désabusés, en difficulté, souffrants, qui avaient l'impression qu'ils ne pouvaient rien faire par rapport à leurs contraintes personnelles, c'est-à-dire à leur mode de fonctionnement interne, et au mode de fonctionnement du système dans lequel ils étaient, comme s'ils ne pouvaient pas s'en sortir, s'en extraire, échanger. C'est ce qui m'a conduit à m'intéresser au développement personnel, parce que je le vivais moi-même, mais moi, je sentais au fond de moi une force, un truc qui disait non, un truc de rebelle, quoi. Une énergie de rebelle, c'est une énergie de créatif, en fait, de créateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sait, qui sent qu'il peut créer autre chose, qu'il peut faire autre chose, mais qui se retrouve face à un cadre, un environnement, quelque chose qui est déjà présent et qui n'est pas compatible et qui va faire de la résistance. Donc, bah, du coup, plutôt que de se soumettre, plutôt que de s'adapter, de se soumettre à cette réalité, le créatif, je dirais, a son énergie qui se met en forme de rébellion et qui se dit « Ok, je ne suis pas d'accord, non, je peux faire autrement, je sens qu'il y a quelque chose en moi. » Mais entre arriver à se faire confiance, arriver à faire confiance à son intuition, arriver à faire confiance à ses ressentis, arriver à faire confiance à ce qu'on croit, sans avoir le mental qui vient et qui dit « Ouais, mais là, tu es peut-être un peu en train de te la péter, tu te racontes peut-être des histoires, et puis ça se trouve que tu vas te planter, ça va être la honte, et puis ci, et puis ça, plein de choses comme ça qui peuvent arriver. » Fait que, on tourne en boucle dans notre tête, en fait. C'est-à-dire, on tourne en boucle. Oui, et puis on procrastine. Et au bout d'un moment, ça devient... On accumule de la peine, en fait. De la peine, de la fatigue, de l'épuisement. On sent que ce n'est pas fluide, on sent que ce n'est pas en train de s'activer, il n'y a pas une énergie qui arrive, un truc frais, nouveau, pouf, qui part et qui fait que c'est parti. Et boum, on est là et on traîne notre fardeau, quoi, d'une certaine façon. Et après, on fait beaucoup de thérapie, simplement parce qu'on n'est pas en train de donner le sens qu'on veut à notre vie. Alors du coup, on travaille sur ce qui nous semble être souffrant du passé, alors que parfois, ce qui est souffrant du passé n'est pas si bloquant que ça. Ça peut même parfois être moteur. Mais c'est simplement qu'on n'a pas encore, c'est pas encore donné l'autorisation de passer à la vitesse supérieure, de passer à un autre niveau, de se dire « Ok, pouf, j'enclenche quelque chose, je sors de ma zone de confort, de sécurité, de survie, on va dire, et je passe à autre chose. » Et c'est là qu'on rentre dans la zone de magie après. Après, la petite zone de turbulence où on n'est pas sûr, où on part un peu à l'aveuglette, il y a comme un petit brouillard là qu'il va falloir traverser, et après, pouf, le brouillard se dissipe et on se rend compte que derrière, il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre, et on se dit « Waouh !» Pourquoi je suis resté dans ce brouillard planté dans mon truc pendant aussi longtemps? Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur de pouvoir partager ça, accompagner les personnes dans cette ouverture-là. Et c'est vrai que cette notion de mouvement est super importante. Parce que tout à l'heure, tu parlais de voyage, tu parlais de week-end. Et moi, je me rends compte à quel point tous mes voyages ont été formateurs pour moi et ont été transformateurs. Parce que le tout premier voyage que j'avais fait, où j'ai décidé de partir à l'étranger pendant plusieurs mois, c'était en Irlande. Et je me souviens que là-bas, j'avais développé, en tout cas, j'avais osé faire et osé être quelqu'un de différent. Parce que je me souviens que quand j'étais arrivée sur ce pays inconnu, je m'étais dit, mais là, il n'y a pas ma famille, il n'y a pas mes amis, il n'y a personne qui me connaît. Donc du coup, si je fais quelque chose et que ça déplaît, je ne vais pas avoir un retour, en fait, parce que je me dis, je ne vais pas être jugée, je suis dans un environnement étranger, il n'y a personne qui va me tomber sur le coin du nez. Et donc, du coup, j'ai développé vraiment des capacités, des compétences qui étaient différentes, parce que tout simplement, j'ai osé, parce que je n'avais pas la peur de la critique, la peur du jugement, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle, de William James, le principe de l'acteur, c'est-à-dire devenir la personne qu'on a envie de devenir. Jouer le rôle de la personne qu'on a envie d'être, s'autoriser à le faire, on va dire, et finalement finir par le devenir. C'est ce qu'a fait David Laroche, en l'occurrence, quand il était, on s'est connus, on était en PNL ensemble, on a eu une vision ensemble, on a fait le travail de vision, enfin on a fait tout un tas de travail ensemble,
Et à ce moment-là, bah, il était jeune, il ne pensait pas du tout qu'il pouvait devenir là. Enfin, il espérait pouvoir devenir une personne, mais il ne pensait pas qu'à son âge, il pouvait très vite devenir la personne qu'il est devenu. Et en fait, il s'est raconté, il s'est mis dans la peau du truc, voilà, il est rentré dans son rôle. D'ailleurs, moi, j'ai fait pareil, hein, en l'occurrence. Hein, au départ, je me suis raconté que j'étais coach, que je faisais des conférences, que je faisais des formations. Il y avait une partie de moi qui ne sentait pas la légitimité, qui se disait, mais tu vas pas, t'es pas compétent, tu n'as pas d'expérience, tu sors à peine de formation et tu te prétends ci, tu te prétends ça. Donc, moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps pour faire des petites expériences, des petits pas et commencer à dire, OK, je me dirige dans le coaching. Au début, je disais aux gens, qu'est-ce que tu fais? Ils me disaient, bah, je me dirige dans le coaching. Alors, évidemment, ils n'avaient pas forcément envie que je les accompagne parce que je ne leur disais pas, je suis coach. Alors que, par exemple, David, lui, d'entrée de jeu, il disait, ah, mais moi, je suis un coach, j'aide des gens, machin, tac, tac, tac. Et il y avait directement quelque chose qui se passait de façon plus rapide parce qu'il prétendait quelque chose et finalement, il a fini par le créer, il a fini par le devenir. Il y a beaucoup de gens comme ça, d'accord? Et parfois, le fait d'être dans un autre contexte, dans un autre milieu, un autre endroit et de pouvoir s'autoriser à faire ça, s'autoriser à devenir une nouvelle personne, eh ben, fait que derrière, on enclenche, on va dire, la transformation. Et après, on ne peut plus revenir en arrière. Alors que des fois, dans notre quotidien, eh ben, on est tellement ramené sans cesse à ce qu'on était avant. D'ailleurs, la plupart du temps, nos parents ne nous connaissent pas tel qu'on est, ils nous connaissent tel qu'ils nous ont connus. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, quand on était enfant, bébé, ils vont vous sortir des trucs sur « mais toi, tu es comme ça », un truc que vous avez fait il y a 10 ans en arrière. Donc, ça veut dire que leur système ne se met pas à jour. Ils continuent d'avoir une référence à vous, à qui vous êtes, et vous et nous. Notre environnement nous renvoie tellement ces références anciennes en permanence qu'on reconstruit les autoroutes, les autoroutes neuronales, les schémas, les modes de fonctionnement, tout ça, ça se renforce. Donc, il y a besoin à un moment donné de s'extraire de ça pour pouvoir avancer. Donc, la question, c'est est-ce que vous connaissez ces problèmes? Est-ce que vous sentez que dans ce que j'ai dit précédemment, eh ben, d'une certaine façon, vous vous retrouvez? Et si jamais bah, finalement vous restez dans ces problèmes, bah, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est-à-dire, si ça persiste, si vous fonctionnez toujours pareil, qu'est-ce qui risque de passer? Bah, vous risquez bah, de ne pas vous lancer, de devoir vivre dans le regret plus tard. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui par rapport à certains projets, de ne pas lancer quelque chose et après de me dire « Ah, j'ai raté le coche, je l'ai pas fait. » Bon, ça ne veut pas dire que c'est fichu, que je ne le referai pas, mais des fois, c'est pour des petites choses, mais quand c'est pour des choses plus ambitieuses, plus importantes, qui peuvent vraiment faire une différence dans notre vie, les regrets sont d'autant plus importants. Moi, je ne pourrais pas regretter aujourd'hui de ne pas m'être lancé dans la voie du développement humain, qui était la voie à laquelle j'aspirais, qui me paraissait tout à fait improbable, complètement inconsidéré, etc. Mais c'est pas grave, j'ai pris les risques, je l'ai fait. Et aujourd'hui, ben, je sais que dans ma vie, j'aurais pas l'impression d'être passé à côté de ma vie. Mais pour autant, ça a failli, hein. Mais non, ce n'est pas le cas. Tant mieux. Mais par contre, je peux passer à côté de certaines réalisations parce que, à un moment donné, je reste dans ce mode de fonctionnement qu'on a vu précédemment. Vous risquez d'avoir le sentiment de passer à côté de votre plein potentiel, d'une vie épanouie. Et ça, c'est pareil, hein, c'est à l'intérieur de soi. Quand un potentiel n'est pas exploité pleinement, ça crée de la tension. Vous savez, dans une ligne électrique, quand une ligne électrique peut faire passer un certain potentiel de courant et que vous ne faites passer qu'un petit potentiel de courant à l'intérieur, ben ça crée la tension, ce qu'on appelle la tension dans la ligne. Donc, des fois, vous vous sentez sous tension dans votre vie, vous sentez une certaine pression intérieure parce qu'il y a un potentiel qui cherche à être exploité et que vous ne l'exploitez pas. Et en fait, ça vous fatigue. Ça vous use de devoir retenir quelque chose qui cherche à exploiter, mais parce que d'une certaine façon, ce truc, il cherche à se faire. Mais d'un autre côté, il y a le mental, les peurs, les croyances, tout un tas de trucs qui viennent et qui vous bloquent. Donc, il y a des espèces d'allers-retours comme ça. J'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Et ça finit par fumer. Hein. C'est un peu comme le frein à l'accélérateur de la voiture. Hein. Vous freinez, vous voulez accélérer, mais vous appuyez sur le frein tout de suite, vous accélérez, vous appuyez sur le frein sans cesse, vous n'avancez pas. Et tout le monde s'agace. Vous, vous agacez. Ceux qui sont dans la voiture s'agacent. Ceux qui sont autour se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et finalement, la vie, elle est beaucoup moins drôle. Vous risquez de vous sentir triste et frustré de ne pas avoir osé tant qu'il était encore temps. Parce qu'effectivement, bah, des fois, il y a des moments de la vie où les choses changent et on n'a plus l'énergie, on n'a plus le temps, on n'a plus les moyens. Enfin, il est toujours, je dirais qu'on peut faire des choses. Et il est important de garder la croyance qu'on peut faire des choses même tard et en âge et dans la vie.
Mais des fois, on peut sentir que ben, voilà, on a raté effectivement le truc et ça peut nous rendre un peu triste. Vous risquez aussi de perdre en confiance et en estime de vous, puisque comme je vous l'ai montré précédemment, moins vous vous autorisez à prendre des risques, à faire des petites choses, à faire des nouvelles choses, à apprendre des nouvelles choses, à les faire, à les mettre en pratique pour continuer d'entretenir une forme de confiance en vous, et plus ben, vous commencez à la perdre cette confiance en vous, en les autres, et puis l'estime aussi, parce que du coup, vous ne vous donnez pas beaucoup de valeur. Vous n'arrivez pas à vous évaluer positive et bien. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de faire ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous. Donc, imaginez plutôt ce que ce serait. On va se projeter, on va imaginer ce que ce serait de savoir parfaitement ce que vous voulez faire et comment le réaliser pleinement. C'est-à-dire de dire, OK, si demain, vous aviez une vision ultra claire de ce que vous voulez faire et que vous vous disiez à l'intérieur, avec ce genre de sentiment d'évidence, que c'est ça et que vous allez pouvoir le réaliser, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Qu'est-ce que ça changerait aussi d'être débarrassé des doutes, de certaines peurs, de certains blocages qui vous empêchent de vous lancer? Qu'est-ce que ça changerait de sentir se déclencher en vous les ressources nécessaires pour avancer avec enthousiasme? C'est-à-dire vers quelle concrétisation vous iriez, quel projet vous feriez si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est là, qui émerge et que vous avez l'enthousiasme d'aller de l'avant. Je propose de penser à ça. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir une clarté, une évidence sur les étapes à franchir, sur les différentes choses que vous allez pouvoir mettre en place pour y arriver, avec l'assurance que c'est des petits pas suffisamment, comme on appelle la méthode Kaizen, la méthode de la progression constante, de l'amélioration constante. Donc l'idée de pouvoir faire des petites choses, s'entraîner pour avancer et finalement aller plus rapidement au but que de rester à rien faire en se demandant s'il ne faut pas faire un espèce de grand saut pour y arriver et avoir peur de le faire. Qu'est-ce que ce serait de sentir la considération, l'admiration, la reconnaissance des autres vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire, de réaliser, d'oser faire, et puis aussi vis-à-vis de vous-même, parce que ça commence par là. Mais parfois, c'est les autres qui nous amènent, par leur retour, par leur feedback, c'est l'environnement qui nous renvoie. Waouh, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas mal ce que tu fais maintenant et tu es en train de réaliser quelque chose. Et c'est gratifiant, en fait. Ce sont des formes de récompenses qui vont nourrir votre système, qui vont faire sécréter les bonnes hormones, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, etc. Et du coup, il y a une espèce de dynamique vertueuse. Où vous faites quelque chose, l'environnement vous dit « Waouh, c'est bien !» Et du coup, pouf, ça vous motive et hop, vous recommencez. Et de sentir l'estime et la fierté vous envahir pour avoir osé réaliser ce qui vous tenait à cœur. Imaginez ce que serait de sentir cette fierté, de se dire « Ça y est, j'ai fait cette chose que je procrastinais, que je mettais de côté, que je n'osais pas, etc. » Alors, je vais te laisser parler, si tu veux, Aurélie, des solutions classiques qu'on peut trouver. Oui. Mmh. C'est vrai que, alors, en termes de solutions classiques, peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être qu'en tout cas, vous avez pu en expérimenter. Moi, pour ma part, là, dans les trois que je vais vous présenter, je les ai toutes essayées. Et je crois que, Guillaume, toi aussi, t'es passé par les trois. Donc, de manière générale, par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, par rapport au projet que vous avez envie de faire éclore, ou en tout cas au changement de vie professionnelle que vous voulez mettre en place, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Et donc, la première, ce serait de suivre tout simplement une formation en ligne, parce qu'il y a certaines personnes qui proposent parfois de passer par une formation avec des vidéos, des PDF, pour justement cheminer soi-même. Moi-même, je propose. Ouais. Voilà. Alors après, une des principales problématiques dans ce genre de format, c'est qu'en fait, bah, vous êtes seul face à un écran. Hein. Souvent, c'est un ordinateur, mais ça peut être votre tablette ou même votre téléphone. Et donc, dans ce genre de processus, vous avez les vidéos, vous avez les supports, mais il n'y a personne pour vous soutenir dans les moments de doute, et on y passe forcément. Et donc, ce manque de soutien, c'est ce qui fait que pas mal de gens démarre une formation en ligne et puis parfois s'arrête en plein milieu parce que justement il y a des doutes qui se mettent en place, il y a des croyances limitantes, et comme les croyances ne sont pas débloquées, ne sont pas vues et ne sont pas transformées, transmutées,
eh ben, il y a un abandon, en fait, tout simplement, en se disant c'est trop compliqué, c'est trop dur. Donc, la formation en ligne peut être très chouette pour entrer dans un processus d'autonomie, mais parfois, c'est pas assez, surtout quand c'est pour amener vraiment une grande transformation de vie, c'est pas assez puissant pour y arriver seul, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous fasse miroir par miroir, et puis qui nous, des fois, qui nous mettent aussi dans des états, parce que là, par exemple, formation en ligne, c'est souvent de l'information, mais il n'y a pas forcément, par exemple, des processus hypnotiques qui peuvent permettre d'aller chercher, d'aller plus en profondeur à l'intérieur de soi. Et effectivement, il n'y a pas le questionnement, il n'y a pas le soutien, il n'y a pas l'énergie, des fois, que bon, des fois il y a, mais des fois il n'y a pas. Donc effectivement, ça peut amener à abandonner les choses avant vraiment que ça fonctionne comme on veut, quoi. Et puis après, en deuxième solution possible, il y a aussi les séminaires qui en général se déroulent le temps d'un week-end sur 2 jours. Et là, on va être entouré de personnes, on va avoir le contact humain. On va vivre aussi des émotions, on va passer par des sensations différentes en fonction des conférenciers ou des présentateurs. On a le côté aussi réseautage, on va pouvoir discuter avec des gens. Le problème, c'est que en général, c'est pas une immersion totale, c'est pas une immersion complète. Et donc, ça dure quelques heures par jour. Et puis ensuite, vous rentrez le soir, soit chez vous, soit à l'hôtel. Donc, vous êtes déjà coupé de cette énergie le temps d'une soirée pour éventuellement revenir le lendemain. Et après, quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez dans votre quotidien, quand vous reprenez votre routine, c'est là où, en fait, c'est ce que je dis, moi, le drame s'opère, c'est que vous êtes dans une très haute énergie pendant 2 jours et bim, vous rentrez, vous reprenez vos anciennes habitudes, vous reprenez vos anciens schémas et donc, vous retombez dans vos anciens travers. Donc, ça, le séminaire, c'est intéressant aussi. Mais soit pas suffisamment puissant pour impulser une réelle transformation parce que l'immersion n'est pas totale. Et puis des fois, c'est aussi une question de timing, hein. 2 jours pour transformer une vie, c'est un peu court aussi. Et donc, il y a une autre solution qui est possible, c'est de passer par un coaching. Et donc là, on se retrouve face à une personne qui a l'expertise nécessaire pour nous aider à dépasser nos peurs, dépasser nos blocages. Par contre, on se retrouve bien en one-to-one avec la personne qui va nous faire un effet miroir, qui va nous aider et nous accompagner à cheminer dans cette transformation. Il n'y a pas ce côté immersion totale où vous le voyez aussi derrière un lit, ou même quand c'est du présentiel, c'est le temps de quelques instants. Mais après, le restant de la semaine, pendant que les jours vont se dérouler et passer, bah, le coach, vous ne le voyez pas. Et puis, il y a toujours cet ancrage dans cet environnement qui parfois même peut contrecarrer aussi l'accompagnement d'un coach. En tout cas, ça arrive. Et donc, il n'y a pas cette immersion totale qui permet de vraiment intégrer tout ça. Et puis, il n'y a pas aussi l'effet de groupe qu'on peut retrouver dans les séminaires et qui est hyper stimulant dans le fait de connecter avec plein de personnes qui ont plein de richesses, plein de valeurs à partager. Donc ça, c'est en tout cas les trois possibilités qui sont possibles aujourd'hui. Qui fonctionnent sur certains aspects. Et effectivement, parfois, on peut se retrouver malgré tout à avoir quand même des choses où on dit, bah, malgré les séminaires de 2 jours, malgré une formation ou 2 ou 3 en ligne que j'ai achetée, malgré des fois certaines séances de psychothérapie ou de coaching, il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas une... Voilà, il n'y a pas un mouvement qui s'est enclenché, il n'y a pas un truc, il n'y a pas quelque chose qui nous amène ailleurs. Donc, eh ben, on a notre solution idyllique. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi j'ai mis idyllique? C'est parce que vraiment, pour moi, ça a été quelque chose qui a été assez, assez fort, assez puissant. Et ça me paraissait totalement improbable que ça puisse se faire dans ces conditions-là, la transformation, et que ça puisse être aussi fun, en fait, aussi agréable, aussi... Pour moi, c'était un truc un peu improbable, mais pourtant, ça existe. On l'a créé, on l'a vécu, et donc, on peut en témoigner, c'est vraiment super. Donc, c'est l'idée d'une immersion totale, de s'offrir à un moment donné dans sa vie une immersion totale sur une île paradisiaque de Thaïlande. C'est la proposition qu'on fait parce qu'on connaît la Thaïlande, on y a été et que ce pays a
vraiment quelque chose de particulier, une énergie, une capacité à vous prendre soin, parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est on pourrait parler du sixième facteur de limitation, c'est le fait d'être épuisé dans une espèce de course, d'être tout le temps en train de devoir gérer tout un tas de choses et d'avoir l'impression de ne pas avoir de temps pour se retrouver, pour se ressourcer, pour se revitaliser. Le système nerveux, on ne peut plus, on est fatigué. Alors, on pense à des choses, mais on n'a pas le jus. On n'a pas le jus, on n'a pas les sensations positives qui vont avec le fait de penser parce qu'on est dans des tensions physiques, on est dans de la fatigue, etc. Bref, la Thaïlande régénère avec tous les massages qu'il y a, avec l'alimentation, avec le climat, enfin, tout ce qu'il faut pour vraiment sentir que ça va. En quelques jours, il y a vraiment une régénération qui se fait, quelque chose qui se transforme en nous. Déjà, ne serait-ce que de le faire comme voyage. Mais en plus, avec ce qu'on va apporter, c'est encore mieux. Donc, ça permet de vous évader. Alors, j'ai marqué vous barrer, parce que des fois, on n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Soyons clairs. Et voilà. Donc, l'idée, c'est aussi des fois de pouvoir dire, allez, là, c'est bon, je pars à l'aventure, je me barre. Vraiment, je m'autorise à vivre un truc un peu exceptionnel, une aventure un peu exceptionnelle. Sortir de votre routine pour prendre du recul. C'est vraiment important. Si vous voulez voir les choses avec une autre perspective et sentir qu'une nouvelle énergie arrive en vous et quelque chose se passe. Vous libérez de vos peurs et de vos blocages, bien sûr, parce que sinon, ça vous empêche d'avancer et profiter de vacances. Donc, c'est un peu comme des vacances utiles, en fait, pour vous retrouver, vous ressourcer, vous revitaliser. Donc, c'est 7 jours de transformation profonde. On va vraiment travailler sur des phénomènes profond. Et d'ailleurs, je reviens sur ce qu'on disait précédemment dans certains séminaires de changement, de transformation. Il y a quelque chose qui manque parfois, c'est que le travail que vous faites sur la vision de ce que vous voulez n'est pas suffisamment abouti, profond et puissant. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ça fait des années que je travaille dessus pour arriver à obtenir quelque chose qui fait vraiment une grosse différence en termes de vision, de son avenir, de ce qu'on veut vraiment. De clarté, etc. C'est presque une voyance intérieure, c'est presque des révélations. Et les valeurs qui sont souvent pas suffisamment travaillées en profondeur sont juste évoquées. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est seulement évoqué et ça reste très intellectuel. Et du coup, tout ce qui vient derrière comme travail sur les capacités, sur la motivation, sur les états intérieurs, sur tout ça, c'est pas sur des fondations intérieures suffisamment profondes et suffisamment solides pour que ça tienne. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'une immersion, il y a besoin de faire un travail en profondeur pour pouvoir aller créer cette fondation à l'intérieur, créer cette force, cette structure intérieure qui fait qu'après, c'est presque inébranlable et qui donne l'énergie pour ensuite concrétiser les choses. Et après ça aussi, dans notre solution, dans ce que vous proposez, l'idée, c'est qu'il y a un suivi pendant 3 mois, donc avec des réunions, des feedbacks. Alors, on garde un petit peu l'idée du collectif pour avancer ensemble, comme un peu comme du mastermind. Et on avance, on continue d'avancer sur le chemin de votre réalisation pour vous aider vraiment à peaufiner et pas vous retrouver seul à vous dire d'un coup, bon, maintenant je suis livré à moi-même. Et en sachant que même si vous étiez livré à vous-même, quand vous revenez avec un ancrage aussi puissant qu'un voyage de transformation, il y a un truc en vous qui est tellement présent, tellement réel, que c'est difficile de revenir en arrière. Contrairement à quand on a une belle idée sur la plage ou un week-end dans notre transat et qu'on reprend notre vie quotidienne. C'est pas tout à fait la même dynamique. Hein. Et on voit bien que les voyages font partie des choses qui sont les plus transformatrices pour les gens, en tout cas, qui leur apportent dans leur vie des moments de bonheur, des moments qui leur donnent du bonheur toute leur vie. C'est comme si vous preniez en vous quelque chose qui va diffuser, toute votre vie va diffuser une sensation de bien-être quelque part à l'intérieur de vous. Donc, c'est assez puissant. La différence donc, que ça fait, le voyage de transformation, c'est que pendant 7 jours, vous êtes en immersion dans un lieu idyllique et ça va vous permettre de faire une mise à jour de votre système, de vous réaligner, de vous recentrer, et de savoir exactement ce que vous voulez et de mettre en place les bonnes choses. Et ensuite, il y a les 3 mois de suivi donc pour implémenter ce que vous avez vécu et concrétiser votre vision. Vous ne serez pas lâché seul dans la nature, comme on dit. Nous, on a vécu ça avec Aurélie. Le plus essentiel, ce
qui est plus essentiel et plus puissant que le bilan de compétences qu'on fait faire généralement aux gens quand ils veulent opérer une transition de vie ou une transformation de vie, c'est le bilan de conscience, parce que c'est là qu'il se passe. Et au fond, c'est dans les profondeurs de notre conscience qu'il y a des choses qui sont présentes et qui peuvent nous... Souvent, c'est très ça reste inconscient. Hein. Quand je dis c'est dans notre conscience, c'est que ça reste inconscient. Mais c'est là qu'il se passe, qu'il y a des choses qui peuvent vraiment nous aider à aller de l'avant et sentir que d'un coup, ça y est, c'est la bonne voie. C'est fluide, c'est ce qu'on désire et ça va bien se passer. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, je vous fais simplement un petit. Je vous raconte cette petite histoire. J'étais effectivement. Donc, je faisais des formations, des conférences, des accompagnements, et notamment des accompagnements, des coachings de vision en groupe collectif, comme ça, sur 3 jours et demi, des ateliers, 3 jours et demi, 3 heures et demie, des ateliers. Et souvent, j'expliquais aux gens, bah voilà, vous avez peut-être un projet, vous avez peut-être une aspiration, vous avez peut-être l'envie de quelque chose. Et puis, je disais, bah, par exemple, allez, imaginons vous voulez partir en Thaïlande. Puis, je dessinais un petit palmier sur mon tableau. Et puis, je disais, vous êtes là, vous, chez vous, dans votre fauteuil, avec toutes les contraintes de la vie, toutes les difficultés, la fatigue, les croyances que financièrement, c'est compliqué, que bon, voilà, l'environnement ne sera peut-être pas d'accord, enfin, plein de choses, et vous rêvez, vous aimeriez partir en Thaïlande, mais vous ne le faites pas. Et en fait, cet exemple, je l'ai pris une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Et puis, au bout d'un certain temps, des gens qui me voyaient, qui me revoyaient, me disaient, mais Guillaume, tu te rends compte du nombre de fois que tu me parles de cet exemple de la Thaïlande, tu n'en as pas un autre? Je dis, ben non, je ne sais pas pourquoi, il est là, ce truc. Je ne suis jamais parti en Thaïlande de ma vie. Si je devais un jour partir loin et visiter un pays loin, parce que je n'avais pas beaucoup voyagé dans ma vie, ce serait celui-là en premier. Et ils me disent, ben, pourquoi tu n'y vas pas? Ben, je dis, ben, honnêtement, c'est vrai que j'en parle comme ça, comme exemple, mais en réalité, c'est parce que je pense que je vais, en termes de temps, il faut du temps pour y aller, ça peut être cher. Dans ma tête, j'avais l'idée que les billets d'avion étaient très chers pour partir aussi loin. J'imaginais des tarifs autour de 2000, 3000 euros le billet pour partir. Donc, je me disais, c'est beaucoup trop pour moi, plus la location, plus le truc. Bon, enfin, j'avais tout un tas de croyances qui étaient limitantes. Et puis là, les gens commencent à me dire, mais attends, la Thaïlande, non, c'est pas si cher. Bon, ça, j'avais déjà entendu parler. Et moi, je dis, ouais, mais moi, si j'y vais, j'irai bien là-bas pour peut-être pour des vacances. Mais ce que je sens, c'est que j'aurais envie d'amener des groupes, parce que j'avais déjà fait, j'avais déjà accompagné des groupes sur des croisières, j'avais déjà accompagné des groupes sur des événements un petit peu dans des endroits un petit peu exceptionnels. Et je voyais tellement la différence, je voyais tellement comme c'était puissant comme expérience, je me disais, waouh, emmener des gens en Thaïlande, mais là, ce serait juste le rêve, quoi. Pour moi, c'était un rêve, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le truc, c'est que j'avais une partie de mon cerveau, dans ma tête, dans ma vision du monde, une partie éclairée, positive, qui se disait, oui, c'est super, tu peux y aller, puis une partie plus reliée à mes vieux schémas, à mes vieux systèmes, à mon cerveau limbique, émotionnel, reptilien, à mes schémas de conservation, etc., qui me disaient, ouais, mais non, tu vas peut-être pas y arriver, ça peut être compliqué, tu connais personne, tu parles pas anglais. Enfin, pour moi, c'était un truc, un peu une aventure, un peu... Et puis, comme les gens me disaient ça, je me dis, bon, bah, Guillaume, bah, allez, t'as déjà fait des tas de changements, t'as déjà mis en place des tas de choses, ça paraît ambitieux, mais allez, pourquoi pas. Et donc, l'idée, c'est, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? C'est que j'ai d'abord une vision. Donc, j'avais une vision que partir là-bas, c'était bien pour mes vacances, mais ma vision a été d'autant plus importante, pardon, quand je me suis dit, je vais contribuer, je vais apporter aux gens quelque chose. C'est-à-dire, je vais partir en Thaïlande, mais je ne vais pas partir en Thaïlande pour rien. Je vais partir en Thaïlande pour trouver des lieux et pour amener des gens là-bas et pour les faire venir là-bas, travailler sur eux, etc., etc. Et donc, du coup, ça correspondait à mes aspirations, ça correspondait à mes valeurs. Et je me disais, ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Du coup, ça m'a activé mon ambition. C'est l'ambition de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de les créer. J'ai envie d'y aller là-bas et de voir et de créer, de trouver les bons lieux et de créer des groupes et d'accompagner des personnes. Et du coup, je me suis fixé ça comme mission. Donc, j'y suis parti une première fois en 2016 avec on est parti qu'à deux cette fois-là pour faire un peu l'état des lieux de la Thaïlande. Et puis pour travailler un peu nous, prendre du recul, c'était une amie coach aussi, partenaire, qui avait aussi besoin de prendre un peu de recul. Donc on s'est autorisé à partir comme ça très rapidement, on s'est dit, allez, on part en Thaïlande, on y va. Elle était d'accord pour me soutenir dans mon projet de faire venir des groupes là-bas, mais il y avait besoin d'abord d'aller faire un petit peu le tour du,
des choses, et puis aussi de voir ce qu'on y ressentait et comment on pouvait se sentir là-bas pour se transformer. Donc, on a passé 15 jours vraiment puissants, mais même tellement puissants que moi, comme je n'étais pas vraiment préparé, ça m'a un peu déstabilisé sur le moment. Parce que j'étais tout seul, en fait. Après, elle est repartie et avant moi, donc je suis resté tout seul. Et du coup, je suis revenu, je me suis dit, bon, je vais laisser tout ça reposer, je vais sentir toutes ces transformations, toutes ces choses. D'abord, elles s'incarnent bien en moi pour que je puisse ensuite me sentir à l'aise de pouvoir accompagner d'autres, faire venir d'autres personnes et accompagner d'autres personnes parce que les énergies là-bas sont assez fortes et sont voilà, assez propices. Et donc, j'ai laissé passer un an et demi. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, ça y est, c'est le moment. Tu peux y retourner. Et, j'ai commencé à en parler autour de moi. Puis j'ai rencontré une personne qui, elle, m'a dit, ah, mais moi, je connais des infopreneurs qui travaillent à distance là-bas, dans d'autres pays. On peut imaginer réunir des infopreneurs pour faire avancer en commun les projets, tout ça. Je dis, bah, bien sûr qu'on peut faire ça. Moi, ce que je veux, c'est des séminaires de transformation, mais ce n'est pas incompatible. Et donc, du coup, on a créé une première session en avril 2018. Il est plus je reviens. Donc, on a créé une première session en avril 2018 pour faire venir donc, des personnes là-bas. Et on a fait un groupe avec qui ça s'est super bien passé. Il y a eu des choses qui se sont vraiment passées très transformatrices pour eux, puisqu'en fait, moi, j'étais là-bas pour apporter un accompagnement hypnotique de vision et de travail justement de vision, de valeur, etc. Et donc, ça s'est très bien passé. Du coup, on s'est dit, bon, bah, là, ce n'est pas possible. Il faut qu'on crée un nouveau groupe. On a changé d'île. On était sur Koh Lanta la première fois. On a été sur Koh Phangan visiter. On a rencontré à ce moment-là Aurélie, qui était présente sur place, qui, elle, était en train d'être en train de mettre en place des transformations dans sa vie. Et on a dit, on va faire une deuxième session. On a proposé à Aurélie. Aurélie a dit, OK, je rejoins la seconde équipe. C'était donc sur l'île de Koh Phangan, dans un hôtel avec une petite plage privée. Vraiment, on était aux petits oignons. Et pendant 7 jours, j'ai apporté de l'accompagnement à ces personnes pour les aider vraiment à de la transformation, à du recentrage, à du réalignement. Et puis, par ailleurs, on avait aussi des ateliers un petit peu mastermind pour que chaque professionnel qui avait des compétences puisse apporter des compétences aux autres. Donc, c'était un format un peu particulier, mais en tout cas, ça a vraiment, vraiment été puissant, à la fois pour moi, à la fois pour les personnes qui ont été, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un an plus tard, un an et demi plus tard, il y a des visions qui ont été vécues là-bas et des choses qui ont été vécues dans le système de valeurs qui ont vraiment fait prendre des chemins différents, des orientations, des transformations dans ce qu'on fait ces personnes qui se mettent vraiment en place. Donc c'est vraiment chouette. Puis on en garde un super souvenir. À l'intérieur, il y a la Thaïlande qui est là, quoi. C'est comme si c'était. Il suffit de fermer les yeux, de se reconnecter et il y a tout le chant des oiseaux, l'énergie, l'ambiance qui est là. Tellement les ancrages sont forts quand on vit ce genre d'expérience. Et voilà. Donc du coup, je me suis donné un rôle. Et j'ai été chercher le pourquoi j'avais envie de le faire. Et c'est ce qui m'a permis, d'une certaine façon, de me dire, OK, je vais jusqu'au bout de ce projet. Et donc, le mastermind est arrivé avec Aurélie qui était sur l'île et puis toutes ces personnes qui sont allées là-bas. On a fait un joli film qui a été tourné. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la page dont on va vous donner le lien. Et puis aussi, il y a pas mal de témoignages sur cette aventure. Donc, cette vision d'avenir inspiré s'est réalisée parce qu'il y a eu un certain processus, parce que tous les facteurs limitants dont on vous a parlé, au travers de cet accompagnement, au travers de cette session, au travers de ce voyage, ils permettent d'être levés, ils permettent d'être mis de côté le temps d'une transformation pour pouvoir ensuite revenir et avancer. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent qui sont même limite de l'ordre du sacré, de l'ordre du spirituel pour certaines personnes, c'est très très puissant. Voilà, donc je vous présente ça et j'ai envie de vous poser la question et je vais demander à Aurélie de peut-être faire un petit témoignage sur ce qu'elle a vécu là-bas. N'est-ce pas le pied de se planifier des vacances idylliques finalement quand on y pense, se planifier des vacances idylliques pour mieux planifier votre nouveau voyage professionnel? Ça peut, en gros, vous prendre du recul, vous poser, vous dire, OK, ça va être quoi ma nouvelle aventure? Ça va être quoi mon nouveau voyage professionnel? Vers quoi je tends maintenant? Professionnel ou d'activité, tout simplement, de vie. Donc, est-ce que
ça vous paraît pas un truc comme ça, un peu idéal de pouvoir faire ça? Enfin, moi, ça me paraissait idéal et ça a été vécu. Donc, je dirais que le rêve est devenu réalité. Aurélie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, bah, écoute, moi, ça a été vraiment, cette session, en tout cas, a été vraiment d'une très belle richesse. En tout cas, moi, ce que j'ai adoré dans cette expérience, c'est déjà cette reliance qu'on avait les uns avec les autres, parce que on s'est retrouvés tout un groupe. Et donc, ça a été super, super fort, super puissant, super émouvant de pouvoir côtoyer pendant 7 jours des personnes avec de très belles valeurs, avec de magnifiques projets. Et puis, de sentir que pendant ces 7 jours, en fait, moi, c'était comme si je m'étais créé une nouvelle famille. Parce que j'avais en face de moi des personnes qui étaient hyper soutenantes, hyper ouvertes, où il y avait une très belle cohésion d'équipe aussi pour partager la richesse de nos projets. Et donc, ça a été vraiment, vraiment top. Et puis, notamment aussi, toi, au travers de tes accompagnements, j'ai pu avoir une vision sur 5 ans. Et puis, avec cette idée que j'avais cette vision sur 5 ans, mais j'avais cette vision aussi sur 4 ans, 3 ans, 2 ans et 1 an. Et de voir que cette intégration, en tout cas, cette vision, elle a tellement été puissante pour moi, je m'y attendais pas. Il y avait des choses qui ont émergé que j'aurais pas cru possible. Mais en tout cas, l'ancrage a été suffisamment puissant pour que 1 an après, la vision que j'ai eue s'était concrétisée. Donc, c'est là où c'est important de voir à quel point changer d'environnement et se retrouver justement dans un lieu paradisiaque, hein, parce que c'est ça, c'est là on s'extrait de notre chez nous qui est en Europe, qui est complètement différente, hein, on est en Asie, et soleil, on a la chaleur, noix de coco, on a la plage, on a les massages, on a le sourire des Thaïlandais, il y a la richesse aussi des personnes qui nous côtoient pendant plusieurs jours, et donc on se retrouve, en tout cas moi je sais que quand je vais en Thaïlande, j'ai mon cure de jouvence. Ouais, c'est ça, c'est une cure de jouvence. C'est une cure de jouvence sur plein d'aspects. Et aujourd'hui, je suis super heureuse d'avoir osé rentrer dans le groupe, parce que je me souviens que j'avais hésité. Je me dis, tiens, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a des Français qui arrivent sur mon île, qui ont envie de travailler sur le fait de déployer leur projet de cœur. Ce serait trop bête de pas y aller. Alors que là, c'est carrément la France qui vient à moi en Thaïlande. Donc, je me suis dit, j'y vais, parce que j'avais peur de passer à côté de quelque chose, et c'est clair que je serais passée à côté de quelque chose si je ne l'avais pas fait. Donc, En fait, c'est drôle, parce que quand tu dis ça, moi aussi, j'ai eu des hésitations. C'est-à-dire, j'ai eu des moments où je me disais, ouais, mais partir, on est parti début 2018, je suis parti dans des conditions, je me suis dit, ouais, est-ce que franchement, c'est pas un peu fou de faire ça? J'y suis allé, j'ai pas regretté, je me suis dit non, mais là, c'est vraiment un truc à vivre, tu ne pouvais que t'offrir ça. J'ai pris un risque financier d'ailleurs pour le faire, mais je dis pas qu'il faut prendre des risques financiers, mais moi je l'ai fait parce que je me suis dit, bon, d'un moment j'ai dit allez, j'y vais. Et franchement, je m'y suis vraiment retrouvé derrière à tous les niveaux. Et du coup, quand on a voulu faire ça en fin d'année, je me suis dit, oh, ça va un peu vite, est-ce qu'on aura du monde, est-ce qu'on aura des personnes qui vont revenir, tout ça. Et puis finalement, est-ce que c'est pas encore un risque? Il y a plein de choses. Enfin, je me suis retrouvé de nouveau à me poser 2-3 questions. Et non, la puissance des 2 voyages précédents était tellement forte que je me suis dit non, de toute façon, ne te pose pas de questions, vas-y, fais-le. Voilà, brise les espèces de, je sais pas, de sorts là, qui des fois on se jette à nous-mêmes, t'es des espèces de trucs là, de bourbiers émotionnels dans lesquels on se trouve, ou mentaux dans lesquels on se met des limites. Je me suis dit, vas-y, perce tout ça, parce que, et franchement, le deuxième voyage, c'est pareil, ça a été vraiment extraordinaire. Donc, en gros, l'idée, c'est on le fait si on sent qu'il y a quelque chose qui peut se faire, qui peut vraiment nous aider. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui s'est passé pour Olivier, c'est passé pour un certain nombre de personnes qui sont venues. Et donc là, l'idée, c'est que ça peut s'adresser à vous si vous êtes rendu donc à ce fameux moment où vous sentez qu'il est temps que les choses elles changent rapidement et durablement. Si vous êtes prêt à vous engager dans l'action, à concrétiser vos aspirations, et si vous désirez finalement être fier de vous, sentir qu'il y a quelque chose qui se met en place et que tout ça, je dirais, toute cette dynamique de vous remettre en question, de vous recentrer, de faire votre bilan de conscience, de vous mettre en action pour faire les choses, ça se fait autour d'un projet qui est juste du plaisir, en fait. Du plaisir. Et qui va rester comme un souvenir
impérissable dans l'esprit. Donc, notre programme, en gros, il permet de quoi? Il permet de clarifier les aspirations importantes et de faire le point sur vos nouveaux objectifs. Il vous permet de revenir à votre corps pour le relaxer, le revitaliser, dénouer les tensions limitatives, parce qu'il y a beaucoup de massages, il y aura des exercices, des pratiques de corporelles pour vraiment que le corps soit en accord avec l'esprit, avec le cœur, avec l'esprit, avec la vision, avec tout ça. Révélez votre vision d'avenir inspirée, donc d'en voir dans votre boule de cristal intérieur comme votre propre voyance personnelle de la meilleure voie à suivre pour vous. Renforcez votre motivation, vos capacités en activant la puissance de votre système de valeurs. Vous recentrez, vous réalignez les différentes dimensions qui vous composent pour arrêter que ce soit brinque-ballant et déséquilibré, mais que ça retrouve une forme d'équilibre à tous les niveaux, physique, psychique, spirituel, comportemental. Définir une nouvelle identité, donc mettre en quand je dis définir une nouvelle identité, vous n'allez pas être une autre personne au bout de 7 jours, mais en tout cas, vous aurez enclenché un processus pour sentir que cette nouvelle personne, elle est en train de naître, elle est en train d'arriver, qu'elle est en train d'émerger, et que ça y est, cette identité, elle peut avoir une valeur plus sacrée pour vous. C'est-à-dire peut-être vous dire, ok, maintenant, je vais vraiment me consacrer justement à une vie qui a plus un sens sacré à mes yeux pour moi, mais aussi pour le monde, parce que le monde, il a aussi besoin de ça, il a aussi besoin de gens qui sont dans cette dynamique. Transformer les états internes, les émotions, les sensations, les croyances bloquantes qui vous bloquent en quelque chose de plus aidant pour vous. Et puis, travailler sur vos projets, à la fois avec les accompagnements qu'on va vous faire faire, mais aussi en co-coaching avec les autres, avec nous, puisqu'on sera en immersion totale pendant 7 jours, ou même avec les repas qu'on peut faire ensemble, etc., etc., les soirées, pas tout. Donc, c'est vraiment quelque chose de très précieux, très particulier, pour que vous puissiez sentir que vous passez à l'action en toute confiance. Donc, notre programme s'adaptera aux questions et aux personnalités de chacun. C'est ça qui est important de se dire, parce qu'on va réunir un petit groupe de maximum 14 personnes, pour que ce soit vraiment que chacun puisse être présent, puisse s'exprimer, etc. Vous allez, ce que vous allez recevoir, c'est dans ce voyage, c'est un hébergement de 9 jours, c'est-à-dire qu'on prend en charge l'hébergement et les petits déjeuners, c'est inclus, dans un hôtel que vous pouvez voir en photo, là, avec 2 piscines, là on n'en voit qu'une, mais en réalité c'est la plus petite, il y en a une autre plus grande et il y a une plage privée sur le côté. Sur laquelle vous nous avez vu d'ailleurs en ligne tout à l'heure sur un autre slide. Vous avez le séminaire donc de 7 jours qui est inclus de transformation, et vous avez les 3 mois de suivi derrière avec un certain nombre de rendez-vous qu'on va se donner pour pouvoir vous aider à avancer. Et donc, en fait, tout ça, ça a une valeur en immersion de 1497 euros. C'est-à-dire qu'on a vraiment chercher à trouver un tarif qui soit abordable, qui soit accessible. Alors évidemment, c'est un tarif de séminaire qui dure 7 jours, donc c'est un investissement. Mais l'idée, c'est que ce tarif-là, comprenant aussi l'hôtel et le petit déjeuner, on a vraiment fait pour qu'il soit, voilà, qu'il soit accessible par rapport à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. On est sur un tarif qui est vraiment bas par rapport à ça. À savoir que derrière, vous pouvez rajouter le tarif que vous allez vous mettre pour l'avion, pour les trajets, on va dire. Et puis peut-être, si vous voulez partir et rester un petit peu plus longtemps que le temps du séminaire sur place, après, il va y avoir vos repas, ce que vous allez faire, vos achats, votre budget vacances, on va dire. Et là, pour l'avion, on est sur des tarifs qui tournent, il me semble, aux alentours de 800 euros. Ça peut être du 600, ça dépend un peu les compagnies, les moments, etc. Mais ça peut être entre 600, entre 600 et 1000 euros maximum de transport pour y aller. Alors nous, comme on n'est pas une compagnie de voyage, nous on est sur place et on vous accueille sur place. Mais c'est vous qui faites votre voyage, et on vous donne évidemment, on vous donnera des indications, on vous donnera des informations sur les différents types de peut-être de compagnie, de vol, on va vous donner plein de petites informations qui vont faciliter la tâche. Mais l'idée, c'est que le voyage commence déjà à la préparation du voyage. C'est-à-dire que la mise en action pour vous d'aller vers votre destination professionnelle, elle commence déjà par mettre en place cette première destination de vacances. C'est quand même un truc bizarre. D'habitude, on se dit qu'on va prendre des vacances après.
quand on aura réussi notre projet professionnel, etc., etc., que ce sera la récompense. Maintenant, là, c'est l'inverse. C'est vous programmez votre voyage. C'est peut-être quelque chose que vous faites de façon un peu spontanée, comme ça, en disant, OK, je sens le truc, j'y vais, c'est parti. C'est du 5 au 13 avril. Donc, c'est bientôt. Et l'idée, c'est de dire, OK, allez, c'est parti cette année, je m'offre cette possibilité. Donc, à ce tarif-là, et après, avec les frais que vous allez avoir à côté pour les billets d'avion, etc. Parce que nous, on ne peut pas programmer tout un voyage avec les billets d'avion, puisqu'on n'est pas une agence de voyage, on n'a pas les assurances pour ça. Après, c'est vrai que la puissance aussi de cette immersion qui est proposée, c'est que je me souviens qu'avec avec Guillaume, quand il y avait eu cette formation en PNL, il y avait un des participants qui avait dit, ah ben moi, ça fait des années que j'ai envie de partir en voyage, mais que je n'ose pas parce que j'ai la culpabilité de partir en vacances alors que je n'ai pas encore développé mon activité professionnelle suffisamment. Et donc là, il y a ce côté aussi déculpabilisant de se dire, bah, certes, je vais partir en vacances, certes, ça va être dans un lieu paradisiaque, mais c'est aussi pour me transformer intérieurement. Donc déjà, me transformer personnellement, mais aussi du coup dans le but de me transformer professionnellement et puis aussi d'apporter à ma famille, à mon entourage, une personne épanouie qui va rentrer et qui va concrétiser ses projets, qui va pouvoir se sentir fière d'avoir oser mettre en lumière et concrétiser le projet de cœur. Et tout ça, au final, c'est pas juste un voyage, c'est pas juste un séminaire, c'est une transformation de vie, en fait, qu'on vous propose là, le temps de ces 9 jours. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant dans tous les, en tout cas, je parle pour moi, mais je sais qu'avec, les autres participants de Copangan, qui aujourd'hui sont des amis aussi, à chaque fois, en tout cas, pour chacun d'entre eux, avec qui j'ai discuté, il y a eu un avant Copangan et il y a eu un après. Pour chacun, il y a eu des révélations, il y a eu des transformations, des Ouais, ça marque une, ça concrétisations marque, non mais ça qui marque, font ouais, ça que marque c'est une vie, ça différent. marque un, non mais c'est sûr, c'est sûr. Et en plus, comme tu dis, c'est déculpabilisant. Et l'idée, c'est vraiment, je prends ce temps, c'est un investissement sur soi en fait. C'est professionnel, c'est-à-dire, c'est pour avancer, il y a besoin à un moment donné de capitaliser sur soi, enfin, d'investir, de faire des choses. Et parfois, les gens mettent, on va dire, des budgets, mettent de l'investissement. Ils disent, bon, je vais mettre ça dans ma com, je vais mettre ça dans tout ça. Mais ils font les choses, on pourrait dire, des fois dans l'effort, dans la difficulté. La famille autour ou les gens autour voient que ce n'est pas si simple parce qu'il faut y aller, il faut se lancer, tout ça, il y a une dynamique à mettre en place. Et du coup, il y a une, on pourrait dire, une espèce d'énergie comme ça, de j'espère, peut-être des fois un peu dans la crainte, j'espère que ça va marcher, ils mettent de la pub. Et ils ne sont pas dans la vibration. Quelque chose qui n'est pas fluide. Ce n'est pas dans une bonne vibe, ce n'est pas relâché, ce n'est pas détendu, ce n'est pas connecté. C'est vraiment, il faut y aller. Et là, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est je me déconnecte de ma vie habituelle pour me reconnecter vraiment, retrouver une connexion profonde et que l'intention que je vais émettre et ce qui va se passer derrière, ça va, j'ai envie de dire, ça va tellement mettre une information dans le champ quantique, ça va tellement aller dans mon champ aussi. Personnel, énergétique, du système nerveux, etc. Il y a tellement quelque chose qui va s'implémenter là que derrière, les choses, elles vont se passer avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de fluidité. Donc, c'est vraiment. Enfin, moi, ça fait 3 fois que j'y vais, ça fait 3 fois que je vois les effets, les bénéfices que ça peut avoir, ne serait-ce que sur ma santé, parce que quand je reviens de là-bas, généralement, pendant 2 mois, 3 mois, j'ai une énergie d'enfer. Donc, enfin, voilà. Donc, voilà le tarif. Donc, en résumé, alors après, il y a aussi des bonus, c'est-à-dire qu'il y a un bonus qui est la formation en ligne Je suis extraordinaire, qui est une formation que tu proposes. Oui, voilà. Si vous sentez que ce projet-là, c'est quelque chose qui vous anime, que rien que le fait de vous projeter, de vous retrouver les pieds dans le sable ou les pieds dans l'eau turquoise et puis de transformer votre vie, ça vous appelle, bah, dans ce cas-là, je vous ai activé normalement un bouton que vous devez voir apparaître où vous allez pouvoir découvrir aussi les témoignages de tous les amis dont je parlais avec qui on a fait l'immersion à Copenhague avec Guillaume. Vous allez voir aussi la vidéo de l'aventure qu'on a vécue tous ensemble. Et le bonus là que je vous offre, le programme Je suis extraordinaire,
C'est si vous sentez que c'est un, il y a un appel du cœur à venir nous rejoindre en Thaïlande avec Guillaume au mois d'avril et que vous vous décidez avant le 1er février, parce que là, on a déjà commencé à, en tout cas, on a ouvert les candidatures parce on a 14 places maximum. Et donc voilà, si vous avez un élan du cœur et que vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure avant le 1er février, ben voilà, moi, je vous offre mon programme Je suis extraordinaire, qui est vraiment un programme pour booster la confiance et l'estime de soi. Et donc, c'est un programme de 21 jours et vous allez voir à quel point c'est puissant. Et ça, on le travaillera aussi sur l'île. Mais la confiance et l'estime de soi, pour moi, c'est le carburant qui nous permet aussi d'avancer dans la vie et qui nous permet aussi justement d'oser dans le fait de prendre des décisions importantes. Donc, ça me semblait pertinent de pouvoir vous offrir ça en cadeau. Et il y aura Et aussi donc, voilà, vous avez la possibilité de cliquer sur le il y aura bouton. aussi le cadeau surprise de Guillaume dont je ne vous parle pas maintenant. Je laisse votre imagination faire le travail, mais il y aura aussi quelque chose que j'offrirai en bonus et qui est de l'ordre ben, effectivement aussi d'accompagnement en ligne, d'ateliers ou de conférences ou de formations sur des sujets de développement de soi. Et donc, je mettrai ça à jour très rapidement. Alors, en résumé, ce voyage de 7 jours en Thaïlande du 5 au 13 avril 2020 sera l'opportunité pour vous bah, de vous évader, pour prendre du recul, gagner en clarté et aller vers ce que vous désirez vraiment. Pour être plus clair là-dessus, faire un bilan de conscience encore plus fondamental que le bilan de compétences, qui est intéressant, mais quand on est vraiment au clair en soi, il y a vraiment des choses qui se font. Et parfois la magie qui opère d'elle-même. La magie, comme on dit, l'âme agit. Profitez de conditions privilégiées pour récupérer, vous régénérer, vous recentrer, vous réaligner afin de mieux donner dans votre vie, de mieux donner dans vos projets, de mieux donner à ce monde. Parce que bah, c'est important aujourd'hui, je pense que chacun, de façon autonome et responsable, puisse se créer une vie bah, qui fonctionne avec le reste du monde en bonne écologie, on va dire. Sortir de doute et de l'incertitude. Quand je dis en bonne écologie, c'est aussi en bonne écologie émotionnelle, parce que quand on n'est pas bien, quand on est frustré, quand on ne fait pas ce qu'on veut, et que ça génère des tensions et des difficultés avec notre environnement, et que tout ça a des répercussions sur la famille, le travail, enfin, c'est jamais très très bon tout ça. Donc vraiment de s'offrir cette possibilité de se remettre en bonne adéquation avec soi-même, c'est quand même important. Sortir du doute et de l'incertitude. Pour enfin sentir la confiance et la détermination de vous lancer, parce que c'est ça qui a, c'est j'ai peur de pas y arriver et j'ai peur de me lancer. Il y a quelque chose en moi qui ne veut pas y aller, mais à des moments, et moi, c'est vraiment les expériences que je fais, les gens d'un coup ils viennent, ils font non, mais pourquoi j'ai pas, pourquoi je pensais, au travers des accompagnements, hein, au travers de ces transformations-là, c'est mais comment j'ai fait pour ne pas y aller, en fait, jusqu'à présent? C'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est d'un coup, c'est mais comment j'ai fait pour ne pas avancer, comment j'ai fait pour ne pas y aller? Tellement intérieurement, il y a quelque chose qui a changé. S'entourer d'un groupe soutenant qui partage les mêmes ambitions et d'évolution, les mêmes ambitions d'évolution pour eux-mêmes, et qui du coup vont se sentir captivés par ce que vous faites et vont avoir envie aussi d'une certaine façon d'être on pourrait pas dire les acteurs principaux, puisque c'est vous l'acteur principal de votre projet, mais en tout cas qui peuvent avoir envie d'être les figurants, qui peuvent avoir envie d'être avec vous, peut-être même de vous soutenir. Concrètement, pas que moralement, peut-être même de faire partie de vos projets, on ne sait jamais. Et enfin, de vous sentir fier d'avoir enfin relevé le défi important. Et avec le plaisir en plus, parce que je pense que c'est ça le truc de cette proposition, c'est que vraiment, il y a une espèce de plaisir de vivre et de se dire, allez, c'est bon, on profite de la vie, quoi. Voilà, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, hein, je ne veux pas être alarmiste, mais on ne sait jamais combien de temps ça va durer. À un moment donné, c'est quand même bon de se donner des autorisations, c'est quand même bon de se permettre des choses. Moi, je me suis autorisé ce premier voyage en Thaïlande, vous imaginez, c'était en 2016, hein, donc j'avais 44 ans. J'avais 44 ans, quoi, 43 ans, 44 ans. Donc, pendant tout ce temps-là, bah non, ma fille, mon boulot, mon développement professionnel, enfin, je ne m'autorisais pas, mais je me disais, mais attends, je vais faire un voyage quand j'aurai 60 ans. Je vais aller m'éclater en Thaïlande. Quel âge? Donc, du coup, je l'ai fait tôt et finalement, j'ai bien fait. Enfin, je ne l'ai pas fait si tôt que ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Si on attend, on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà, donc vous avez aussi un lien ici, là, que vous voyez apparaître.
mais vous avez le lien de toute façon qui vous a été donné par Aurélie dans le chat. Voilà, donc la présentation est terminée. En tout cas, si vous sentez que, en tout cas, que il y a un élan du cœur à venir nous rejoindre et à vivre cette expérience, voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien et puis à nous laisser vos coordonnées, votre numéro de téléphone et puis qu'on puisse aller plus loin dans le fait aussi de vous donner vraiment encore plus d'informations concrètes sur cette immersion qui aura lieu en avril, donc très rapidement en fait. De toute façon, honnêtement, je vais vous dire un truc, si ça doit être pour vous, si ça doit se faire, ça se fera parce que les choses se combineront, parce qu'il y aura quelque chose qui se passera et qui fera que ça se fera, même si pour l'instant vous avez encore, je dirais, vous n'avez pas encore la visibilité. Moi, c'est ce qui s'est fait pour chaque voyage. À chaque fois, un mois, deux mois à l'avance, je me disais, ça ne me paraît pas possible. Et à chaque fois, il s'est passé des trucs qui a fait que ça a été possible. Donc, si c'est quand ça doit être vécu, c'est vécu, quoi. Donc, Eugénia, merci en tout cas du retour et de l'intérêt que tu portes à ce projet. Enfin, moi, de toute façon, je n'arrive pas à envisager qu'on puisse se dire qu'on n'a pas envie de faire un truc comme ça, mais bon, c'est tout. C'est tellement le truc. Ouais, non, mais je peux comprendre quand on ne l'a pas fait, clair. On peut avoir des doutes, on peut avoir plein de limites dans sa tête, plein de croyances, comme moi j'en avais d'ailleurs en l'occurrence. Puis des fois, on est un peu plombé émotionnellement, on se dit, ouais, on voit le côté difficile, mais c'est tellement, tellement joyeux, tellement puissant que. Quoi qu'il en soit, inscrivez-vous sur le. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous sur la page. Mettez votre nom qu'on vous ait dans nos contacts pour vous rappeler, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà. Un vrai élan. Oui, et puis même ne serait-ce que pour vous envoyer aussi plus d'informations, parce que oui. en privé, on pourra vous en dire plus et aussi, puis faire un peu vous donner avec des vous. Nouvelles. Ouais, exactement. Mm. Alors après, financièrement, comme le voyage va commencer en avril et va durer, va durer sur le mois d'avril, et puis il va y avoir aussi après un suivi sur mai, juin, on pourra peut-être mettre en place un système d'échelonnement pour que ce soit payé peut-être en 4 fois ou en 4 fois, ça pourrait être pas mal, 4 fois. Ça peut être bien. Bah, de toute façon, voilà, laissez-nous vos coordonnées. Et le but, de toute façon, c'est que si vous avez cet élan du cœur de nous rejoindre, nous, on est là pour vous faciliter la vie, en fait, pour vous rendre la vie plus belle. Donc, laissez-nous vos coordonnées, on vous recontacte et de toute façon, on fera en sorte vous que. Vous êtes entre de bonnes mains avec joyeux. Vous êtes entre de bonnes mains avec. Elle va vous rendre la vie plus belle. Hein. Merci pour les personnes qui ont participé, qui nous ont donné des retours. Pour les autres, on peut se retrouver, on peut se parler, on peut se connecter autrement et échanger aussi si vous vous inscrivez donc sur le fameux lien pour avoir les informations. On espère qu'on va se retrouver et qu'on sera là en train de se dire en Thaïlande sur la plage, notre petite noix de coco, en train de se dire on y est là, on y est, ça y est, c'est fait. Et voilà, et qu'on va vivre une super aventure et que ça va nous marquer les uns les autres. Ah bah c'est clair, de toute façon c'est la première chose qu'on fera, hein. On trinque avec une belle bonne noix de coco, oui. Bien fraîche. On va faire une comme soirée moi, d'accueil. Soirée d'accueil. C'est vraiment ça. Enfin moi rien que d'y penser ça me. Je et puis à la limite pour ceux qui ont mis leurs coordonnées. On vous enverra même des photos. Moi, j'ai vécu un an en Thaïlande. J'y suis allée 4 fois aussi auparavant. Donc, je vous enverrai des photos, des paysages idylliques aussi qu'on peut voir sur Koh Phangan. Mais juste pour vous dire à quel point c'est merveilleux, c'est que moi, mon rituel quand je vivais là-bas, c'était la noix de coco et puis la baignade au coucher du soleil dans une eau où vous rentrez. C'est comme si vous êtes dans votre bain, quoi. Ouais. Et ça, c'est juste merveilleux, quoi, en termes de sensations et d'expérience. Ouais. Et puis tout le reste, parce qu'il y a ça ouais. C'est les vacances, mais ouais, vraiment ouais. Les échanges, le travail, les exercices, les tout ça sur la plage ou dans des lieux qui sont agréables, enfin il y a tout ça, c'est super. Bon, écoutez, nous en tout cas, on est au taquet. Si vous vous sentez que vous êtes au taquet, et ben donnez-vous les moyens, d'une façon ou d'une autre, parce que c'est comme moi, on en est tous au même point. Soit on les a, soit l'idée c'est de se les donner. Donc, donnez-vous les moyens et on se retrouve au mois d'avril en Thaïlande. Nous, on y sera avant, un petit peu avant. Enfin, moi, j'y serai pas mal avant et un petit peu après. Mais il y aura, vous pouvez aussi en profiter pour aller faire un tour, rester une semaine de plus avant, après. Enfin, profitez-en. Hein. Si vous partez autant qu'à faire, autant partir minimum 15 jours, voire 3 semaines.
voire un mois. Ça peut être vraiment l'espèce de parenthèse inattendue de l'année 2020 qui peut tout changer. On vous embrasse. Merci Aurélie. Merci Guillaume. Merci à vous toutes, à vous tous pour votre présence. Et puis, au plaisir de pouvoir échanger. Écoutent, peut-être qui nous écoutent maintenant, peut-être à un autre moment, qui ne sont pas en direct, mais qui nous écoutent maintenant, malgré tout, qui est devant leur ordinateur. Et on vous dit à très bientôt. Inscrivez-vous, on se rappelle et on voit ça ensemble. À bientôt. Salut.